la chance de recevoir Jean-Marc Narbonne, qui est professeur de philosophie à la faculté du même nom de philosophie à l'Université Laval. On pourrait le présenter comme un spécialiste de la philosophie antique, plus particulièrement, je pense, de l'Antiquité tardive. Mais ça ne l'empêche pas de donner d'excellents cours sur Platon, que je n'ai pas suivi, mais c'est la réputation qu'on a. Aristote? OK, bon, voilà. Bon, c'est une réputation. La raison pour laquelle on invite aujourd'hui Jean-Marc Narbonne est assez simple, en fait. Lorsqu'on regarde les travaux du collectif, les réflexions du collectif depuis plusieurs années, il est évident que l'intérêt qu'on a à l'égard des fondements, des sous-bassements philosophiques de la civilisation occidentale est évident. On pourrait pratiquement caractériser une des ambitions fondamentales du collectif comme étant une sorte d'herméneutique critique de la civilisation occidentale. Quand on regarde bien le travail qu'on a abattu depuis plusieurs années, c'est d'ailleurs peut-être pas étranger à l'œuvre même de Michel Freytag qui, si vous avez été attentif, vers la fin de sa vie, était beaucoup plus soucieux de définir et d'exposer qu'est-ce que le concept de civilisation voulait signifier, non pas simplement comme un concept général ou fourre-tout, mais plutôt quasiment comme dans ses dispositions les plus subjectives et les plus propres à la subjectivité occidentale. Et donc, lorsque j'ai vu passer l'ouvrage de Jean-Marc Narbonne, Antiquité, critique et modernité, essai sur le rôle de la pensée critique en Occident, j'ai alerté mes collègues et je me suis dit, on ne peut pas laisser passer ça, c'est une belle occasion pour se raccorder avec les questionnements qu'on nourrit au collectif. Donc, Jean-Marc Narbonne, en plus d'être professeur à la faculté de philosophie, est aussi titulaire de la chaire de recherche sur l'Antiquité critique et la modernité émergente, qui a un bon programme de recherche, on pourrait dire. L'objectif est quand même d'élaborer des recherches concernant la continuité de la pensée critique grecque vis-à-vis de la pensée critique occidentale. Qu'est-ce que la pensée critique moderne doit à la pensée critique antique et d'une certaine manière vice-versa. Dans le livre Antiquité, critique et modernité, Jean-Marc Narbonne s'explique assez bien, je pense, sur les principaux segments de cette réflexion-là. Puis, comme on aime avoir les personnes en chair et en os, on a cru bon de l'inviter aujourd'hui pour venir nous présenter quelque chose sur la liberté qui est au cœur de son exposé, cadre ancien et prolongement moderne. Alors, c'est un addon total. Nous allons ce soir faire le lancement des actes du colloque bonifié, du colloque sur l'ouvrage de Michel Freytag qui portait sur l'abîme de la liberté qui a eu lieu il y a déjà 2 ans et demi. Et on lance cet ouvrage-là ce soir, un ouvrage qui s'intitule « La liberté à l'épreuve de l'histoire ». Donc, on s'est bien préparé, Jean-Marc. On a hâte de vous entendre parce qu'on est déjà, on baigne déjà dans cette soupe-là. Donc, je vous cède la parole sans plus tarder. Vous nous prenez le temps qu'il faut. Ensuite, parfait. Merci. Je vous remercie tout d'abord de cette invitation qui me fait très plaisir et qui me ramène à mon alma mater, puisque j'ai étudié ici il y a quelques années. Je ne préciserai pas. Donc, la liberté, liberté et démocratie en Grèce classique, cadre ancien et prolongement moderne. Le but du présent exposé, qui est aussi le but que je poursuis dans la réévaluation de l'héritage grec pour notre culture, peut se ramener à ces 2 points principaux ou à ces 2 thèses principales. La première, la Grèce antique des 5e et 4e siècles avant notre ère, surtout, mais pas seulement, renferme en elle-même les principes de base ou les prémices essentielles de la société ouverte moderne. Première thèse. Deuxième thèse, par son approche critique de la réalité et son instauration des valeurs démocratiques, la Grèce de Périclès a donné l'impulsion initiale, a ouvert la première lézarde dans l'immobilité traditionnelle. La loi de l'hétéronomie étant de ce fait-là brisée. Lequel élan a rendu possible, encouragé et contribué à forger l'identité occidentale élargie qui est la nôtre. Bref, pour énoncer cette chose-là plus directement, plus abruptement, je dirais qu'en un sens, on peut dire que le nouveau est dans l'ancien et que l'ancien a été principe instigateur du nouveau. Le cocasse dans cette affaire, c'est que ce que je dis là n'a rien de nouveau. Je pourrais en citer des tonnes d'exemples, mais je prendrai celui-ci tiré de Camille Desmoulins, le révolutionnaire, dans un texte qui s'appelle « Le vieux cordelier », publié en 1794, qui disait ceci. « Lis Aristophane, le comique hein, grec, lis Aristophane qui faisait des comédies il y a 3000 ans, et tu seras étonné de l'étrange ressemblance d'Athènes et la France et de la France démocrate. En un mot, une antiquité de 3000 ans dont nous sommes contemporains. » Fin de citation. Un autre écrivain de la même époque, Cornelius de Pau, auquel je me suis intéressé pas mal ces dernières années, dans un ouvrage qui s'appelle « Recherches philosophiques sur les Grecs », en 2 volumes, publié en 1788, Cornelius de Pau disait, je le cite, « Les Grecs portèrent à un tel degré la culture des arts et des sciences que nos regards aiment toujours à se diriger vers ce point du globe qui fut pour nous la source de la lumière. » Fin de citation. Je prendrai un autre petit exemple, mais c'est parmi des milliers, hein, d'un historien allemand qui s'appelle Ernst Curtius, et qui faisait partie de ce mouvement grécophile du 19e siècle, et qui disait, qui recommandait ce qui suit, il disait qu'il fallait aller « durch die Griechen zu uns selbst zurück », c'est-à-dire à travers les Grecs, de retour vers nous-mêmes. C'était un peu le profil qu'il proposait. Même un auteur aussi modéré qu'Aristote, dans l'Antiquité, écrivant ses politiques, déclarait, je le cite, c'est en 1269a, « Or, ce que tout le monde recherche, de manière générale, ce n'est pas ce qui est ancestral, mais ce qui est bon. » Donc, ce découplage opéré entre ce qui est simplement transmis, lequel n'est pas nécessairement digne d'être poursuivi, n'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur, et ce qui est en soi véritablement bon et souhaitable, qu'il s'agit de trouver, de justifier, ce découplage, donc, tient une place absolument fondamentale dans la structuration de la pensée grecque, un rôle qu'on pourrait qualifier d'architectonique pour eux, puis ensuite pour nous. Les Grecs, pourrait-on dire, ont inventé la nouveauté, comme ils ont inventé la vitesse. Ils ont inventé l'attitude ouverte vis-à-vis de la nouveauté, notamment au 5e siècle. Michel Foucault, dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», un texte publié en 1984, c'est dans la Pléiade, page 1387, vous savez que Michel Foucault est entré il y a peu dans la Pléiade, disait ceci. « Je me demande si on ne peut pas envisager la modernité plutôt comme une attitude que comme une période de l'histoire. Un peu sans doute comme ce que les Grecs appelaient un éthos, c'est-à-dire un éthos, une manière d'être, une disposition. Et par conséquent, plutôt que de vouloir distinguer la période moderne des époques pré- ou post-modernes, je crois qu'il vaudrait mieux chercher comment l'attitude de modernité, depuis qu'elle s'est formée, s'est trouvée en lutte avec des attitudes de contre-modernité. Et au fond, c'est ça la chose qui m'intéresse chez les Grecs, c'est cette attitude de modernité qui, en partie du moins, nous a façonnés. Je voudrais donner 2 exemples antiques de ça que je vais tirer de 2 oraisons funèbres. Vous savez que l'oraison funèbre, en Grèce et à Athènes notamment, était une manifestation annuelle pour célébrer les morts, ceux qui sont morts au combat, et c'était une occasion pour les Athéniens de parler de la vie athénienne. et de leur culture. Nous avons plusieurs oraisons funèbres, des logos épitaphios en grec, mais la plus célèbre, je vais en citer deux, la plus célèbre bien évidemment est celle de Périclès, citée par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, et la deuxième auquel je me référais est celle de Lysias, plus tardive. Alors je vous lis un extrait de Périclès, donc c'est dans Thucydide, guerre du Péloponnèse, et je cite tout de suite. Alors c'est Périclès qui parle. « Notre constitution politique, dit Périclès, n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse, du peuple, et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale, s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place, les relations quotidiennes entre nous. Nous ne nous irritons pas, ou bien nous sommes tolérants, je reviendrai sur cette affaire-là dans un instant, nous ne nous irritons pas contre le voisin s'il agit à sa tête, à sa guise. Enfin, nous n'usons pas de ces humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu'elles donnent. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la République. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés, qui, tout en n'étant pas codifiée, cette défense des opprimés, imprime à celui qui la viole, qui les viole un mépris universel. En outre, pour dissiper tant de fatigue, nous avons ménagé à l'âme des délassements fort nombreux. Nous avons institué des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout de l'année à l'autre, de merveilleux divertissements particuliers dont l'agrément journalier bannit la tristesse. L'importance de la cité y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'ensemble du globe que de celles de notre pays. En ce qui concerne la guerre, voici en quoi nous différons de nos adversaires. Notre ville est ouverte à tous. Jamais nous n'usons de xénélasie, c'est une procédure pour évacuer les étrangers, jamais nous n'usons de xénélasie pour écarter qui que ce soit d'une connaissance ou d'un spectacle dont la révélation pourrait être profitable à nos ennemis. Nous fondons moins notre confiance sur les préparatifs et les ruses de guerre que sur notre propre courage au moment de l'action. En matière d'éducation, d'autres peuples, et il fait référence bien évidemment aux Lacédémoniens, à Sparte, par un entraînement pénible, accoutument les enfants dès le tout jeune âge au courage viril. Mais nous, malgré notre genre de vie sans contrainte, nous affrontons avec autant de bravoure qu'eux les dangers. Et le texte se poursuit, je ne peux pas le lire en entier, c'est un texte magnifique. Et quand, à lire cette oraison funèbre, on s'aperçoit que plusieurs des valeurs qui y sont représentées et défendues sont proches de ce qu'on peut retrouver dans nos propres cultures. Je reviens sur la question de la tolérance, du fait que nous ne nous irritons pas des voisins. Certes, on pourrait s'étonner de s'entendre parler ici de tolérance, un terme que l'on associe d'ordinaire, et à juste titre, à l'idée de la tolérance religieuse qui naît au début de la modernité et qu'ont rendu célèbre notamment John Locke en Angleterre dans son traité de 1689, « A Letter Concerning Tolerations », et Voltaire en France dans son traité sur la tolérance de 1763. Alors, le mot « tolérance » n'est pas dans le texte grec que j'ai cité de Thucydide, mais souvent les traducteurs traduisent le mot qui s'y trouve en grec par « tolérance ». Alors, le terme en question grec, c'est « anépaktos ». L'adverbe, c'est un adverbe « anépaktos ». C'est un terme extrêmement rare dans la langue grecque. Une seule occurrence chez Thucydide, deux occurrences chez Plutarque, et deux occurrences chez Lucien de Samosate. Donc, grosso modo, 5 occurrences dans la littérature grecque, ce qui est évidemment rarissime. Anépaktos, qu'on traduit volontiers par donc être tolérant, est le contraire de épactès. Hein? Épactès, à l'inverse, qui veut dire ce qui est lourd, pénible. En parlant d'une personne, épactès, ce qui est difficile à supporter, ce qui est odieux. Donc, anépaktos renvoie à l'idée de se comporter d'une manière qui n'est pas difficile à supporter pour les autres. Bref, qui n'est pas odieuse, offensante ou pénible pour autrui. Dès lors, les relations privées à Athènes entre les personnes sont placées par Thucydide et Périclès, donc, sous le signe de la facilité et de la légèreté. Si on se passe, si quelqu'un a des fantaisies, on se les passe. Hein? On n'en fait pas rigueur. Elles sont caractérisées donc, cette attitude d'ouverture, par l'indulgence, pourrait-on dire, cette fameuse syngnomée en grec, la syngnomée, dont Thucydide ne parle pas ici, mais qui est très proche de l'anépaktos, si vous voulez. C'est le même esprit. Voilà pour le premier exemple. Je voudrais maintenant passer au deuxième exemple, qui est une deuxième oraison funèbre, celle de Lysias. Donc, je vais vous citer également un extrait. Donc, dans son oraison, il dit ceci. Lysias, c'est un orateur grec. Hein? Pour bien des raisons, il appartient à nos ancêtres de se faire ainsi d'un cœur unanime les champions du droit. C'est sur le droit que se fonde leur origine elle-même, donc à cette cité. Donc, les Athéniens, dit-il, ils furent les premiers et les seuls en ce temps-là qui abolirent chez eux les royautés, pour y établir la démocratie, persuadés que la liberté de tous était le meilleur gage de concorde. Unis entre eux par la communauté des intérêts dans les périls, ils montraient dans leur vie publique des âmes libres et s'en remettaient à la loi du soin d'honorer les bons et de punir les mauvais. Il ne convient qu'aux bêtes sauvages. Il ne convient qu'aux bêtes sauvages, pensait-il, de régner par la force. Mais il appartient aux hommes de fixer le droit par la loi, de le faire accepter par la raison et d'obéir à ces deux puissances, la loi étant leur reine et la raison leur guide. Fin de citation. Alors, ce texte est très intéressant parce qu'il oppose la démocratie comme étant le règne des lois, et on sait qu'historiquement c'est vrai, parce que dans la tradition grecque, quand on est passé au régime démocratique, on est passé à ce qu'on appelait les lois traditionnelles, non écrites, qui était la loi des aristocrates au fond, à des lois écrites, et qui égalisaient au fond les chances davantage pour tout le monde. Par ailleurs, il oppose cette démocratie au règne de l'animalité. Et c'est très intéressant parce que ça me fait penser à une citation qui est suggestive chez Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion. Bergson qui écrivait « De toutes les conceptions politiques, la démocratie, c'est en effet la plus éloignée de la nature, la seule qui transcende, en intention au moins, les conditions de la société close. » Et donc, bien évidemment, cette référence à la nature renvoie, par définition, à la force de la nature et donc à la violence de la nature que vient stopper la loi. Voilà pour les deux oraisons. Je citerai un dernier texte, simplement à titre indicatif, d'Euripide, dans les Suppliantes. Donc, deux oraisons et le texte d'un tragique. Euripide revient dans plusieurs de ses écrits, de ses tragédies sur la question de la démocratie. Eschyle, déjà, y faisait allusion à plusieurs reprises. Les deux ont d'ailleurs écrit des Suppliantes. Le passage que je vais vous lire est le plus extensif d'Euripide sur la question de la démocratie. Il est aux lignes 403-445 de la pièce et ça se déroule comme suit. Alors, c'est un personnage mandaté qui arrive auprès des Grecs et qui dit « Quel est le tyran de ce pays? À qui dois-je porter les ordres de Créon qui règne sur la terre de Cadmus depuis que Étéocle a succombé devant la ville aux 7 portes sous les coups de son frère Polynice? » Réponse de Thésée, Thésée c'est le personnage titulaire d'Athènes. « Étranger, tu as débuté ton introduction par une erreur, en cherchant un tyran dans ces lieux. Cette ville ne dépend pas d'un seul homme, elle est libre. Le peuple y commande à son tour, et les magistrats s'y renouvellent tous les ans. La prépondérance n'y appartient pas à la richesse, et le pauvre y possède des droits égaux. » Réponse du héros, AUT. En cela, tu nous donnes l'avantage d'un point comme au jeu de dés. La ville d'où je viens est gouvernée par un seul et non par la multitude. Et n'est-il pas odieux pour les hommes supérieurs de voir un vaurien revêtu des plus hautes dignités gouverner le peuple par sa parole, lui qui naguère n'était rien? Réponse de Thésée. Voilà un héros amusant et qui, par-dessus le marché, cultive l'éloquence. Mais puisque tu as engagé ce combat, l'expression du combat c'est l'agon en grec, hein, c'est la rivalité et la joute des idées si vous voulez, mais puisque tu as engagé ce combat, écoute, car c'est toi qui as entamé la discussion. Rien de plus funeste à l'État qu'un tyran. Là d'abord, l'autorité des lois n'est plus générale, lui seul dispose de la loi et elle n'est plus égale pour tous. Mais les lois écrites donnent aux faibles et aux puissants des droits égaux. Le dernier des citoyens ose répondre avec fierté aux riches arrogants qui l'insultent. Et le petit, s'il a pour lui la justice, l'emporte sur le grand. La liberté règne là où le héros demande « Qui a quelque chose à proposer pour le bien de l'État ?» qui était la formule habituelle pour ouvrir le débat à l'Assemblée grecque, à l'Ecclésia. Qui a quelque chose à proposer pour le bien de l'État? Celui qui veut parler se fait connaître, celui qui n'a rien à dire garde le silence. Où trouver plus d'égalité que dans un tel État? Partout où le peuple est le maître, il voit avec plaisir s'éveiller de vaillants citoyens, mais un roi voit en eux autant d'ennemis, et il fait périr les plus illustres et les plus sages par crainte pour sa tyrannie. Le texte se poursuit, mais je vais arrêter maintenant. Alors, si vous voulez, il y a entre ces trois textes que j'ai cités, ces trois extraits, donc les de Périclès, de Lysias et d'Euripide, il y a entre tous ces textes comme un air de famille, dont se dégage ou à travers lesquels s'exprime une certaine idéologie. L'idéologie ouverte, critique et démocratique. Quels sont les traits généraux de cette démocratie grecque? On peut en proposer une liste. Celle que je propose ici est de 12 items, 12 points d'ancrage ou 12 éléments que l'on soulignait et sur lesquels on insistait quand on parlait de cette démocratie grecque. Premièrement, il y a la question du pouvoir du peuple. Le pouvoir est au peuple, comme le dit le mot « démocratia » d'ailleurs. Deuxièmement, il y avait en Grèce le principe de la rotation des charges, des magistratures et des fonctions publiques, très important. Troisièmement, tous les textes que je viens de citer ont insisté sur le pouvoir des lois et des lois écrites. Quatrièmement, il y a la référence constante à la liberté politique. Cinquièmement, il y a la référence à la liberté de parole. Le riche, comme le pauvre, peut, en principe, parler à l'Assemblée. Il y a aussi la référence à la liberté individuelle. J'y reviendrai. Il y a la référence, très souvent dans les textes, à l'égalité politique, l'isonomia. Il y a aussi la référence à l'égalité de parole, l'iségoria, égalité de parole. Aussi, on mentionne souvent la responsabilité des magistrats ou ce qu'on appelle plus techniquement la reddition des comptes, extrêmement sévère à Athènes. Dixièmement, la référence à la justice, aux règles de justice. Onzièmement, le tirage au sort des charges, qui, vous le savez, est le procédé démocratique par excellence. Le tirage au sort des charges. Et puis, douzièmement, la mystophorie, c'est-à-dire l'introduction du mystos, c'est-à-dire le salaire, pour compenser les gens qui participent à la vie politique, les compenser de leur peine et du fait qu'ils doivent abandonner leur champ et leurs activités normales. C'est Périclès qui a introduit le mystos à Athènes, et ce qui a fait une grande différence parce que ça permettait à des gens pauvres de venir participer à la vie publique, ce qu'ils ne pouvaient pas faire faute de moyens auparavant. Ces caractères, ces 12 items que je viens de mentionner, se trouvent tous énoncés chez plusieurs auteurs, parmi lesquels je retiendrai Hérodote, chez Eschyle, Euripide, on en a parlé, chez Protagoras, le premier théoricien de la démocratie grecque, le sophiste si maltraité par Platon, Xénophon, Isocrate, le rhéteur, Périclès, on en a parlé, Gorgias, l'orateur, Lysias, Aristote, Démosthène, Hypéride, etc. Il y en a plusieurs. Je vais vite maintenant et je voudrais mentionner les droits fondamentaux dont les citoyens athéniens bénéficiaient. J'en ai retenu 6, me basant notamment sur l'historien Mogens Hansen, sur lequel je reviendrai. Alors, premièrement, le citoyen a droit à la justice. Deuxièmement, le citoyen a droit à l'intégrité corporelle, c'est-à-dire l'interdiction des sévices corporels. Il ne peut pas être maltraité. Troisièmement, il a le droit à l'intégrité du foyer. Aucun membre de la cité ne peut, sans une sorte de mandat, pénétrer dans l'oikos, c'est-à-dire dans le foyer privé d'une personne. Quatrièmement, le droit de propriété et, ça c'est pour les citoyens, et pour les métèques, le droit de commerce. Cinquièmement, le droit de recours contre la cité, la graphée paranomone, très importante, c'est-à-dire qu'on pouvait intenter une poursuite contre l'État si on s'estimait lésé ou si on croyait que l'État avait lésé même quelqu'un d'autre. Et puis, sixièmement, le droit de participation, bien évidemment, à la vie politique. Alors voilà, bien rapidement résumé. Cet ensemble de choses avait amené le grand orateur qui est Démosthène, mon préféré, je dois dire, qui disait « Partout le franc-parler, la parésia, le franc-parler c'est la parésia, c'est ce franc-parler et cette parésia donc sur laquelle Foucault a travaillé il y a quelques années. Partout le franc-parler est tellement, à vos yeux, dit-il, le privilège de quiconque respire l'air d'Athènes, que vous l'avez étendu même aux étrangers, même aux esclaves. Oui, on voit ici l'esclave plus libre dans son langage que le citoyen dans d'autres républiques, dit Démosthène. Donc la liberté de parole est naturellement assortie au mode de vie démocratique. Dit autrement, on est si libre à Athènes qu'on peut même vanter Sparte. Mais à Sparte, on ne peut vanter que Sparte. C'est ce que nous dit, encore une fois, Démosthène, dans un très beau texte. Il dit ceci, « Cela n'est pas permis chez les lacédémoniens, je veux dire l'éloge des institutions d'Athènes ou de tout autre peuple. Loin de là, il faut s'attacher à la forme de gouvernement établie chez eux, ne vanter qu'elle et ne rien faire que pour elle. » Donc, la différence d'attitude est fondamentale. À Athènes, on peut même vanter Sparte. Mais à Sparte, on ne peut vanter que Sparte. Alors, je voudrais passer à une autre dimension de cette affaire et parler quelques minutes de la question de l'idéologie démocratique et parler de l'idéologie démocratique d'avant l'institutionnalisation démocratique, si vous voulez. Et je vais me référer à un certain nombre de textes et de considérations. Les études sur la Grèce archaïque, qui ont, depuis une trentaine d'années, fait d'énormes progrès en raison de différentes recherches archéologiques et épigraphiques, recherche aussi, analyse des textes, des historiens, etc., nous montre qu'il y avait en Grèce, pas seulement à Athènes, mais dans d'autres villes, une idéologie, une proto-démocratie, si vous voulez, avant même l'instauration de la démocratie. Et je voudrais à cet effet-là rappeler 5 ou 6 éléments que les historiens ont soulignés, allant dans ce sens-là. Je me réfère notamment à Kurt Raaflaub, qui est un historien, vous savez, qui a écrit un grand livre sur l'origine de la liberté, qui s'appelle Die Entstehung der Freiheit, l'invention de la liberté, Die Entdeckung der Freiheit, l'invention de la liberté chez les Grecs. Donc, il y a avec un collègue, Morris, qui rassemble les points suivants, s'agissant encore une fois de la Grèce archaïque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette Grèce archaïque? Premièrement, ces sociétés, les petites villes grecques archaïques, ne sont pas régies par une royauté sacrée, contrairement à ce que l'on rencontre dans les cités orientales voisines, où l'obéissance et la subordination au monarque était la règle. D'ailleurs, la religion grecque elle-même n'exigeait pas une obéissance parfaite au vouloir divin. Ça, c'est un point extrêmement important. Le polythéisme grec faisait que la distinction qui est très courante chez nous entre l'orthodoxie et l'hérésie n'a pas vraiment cours et n'a pas vraiment de sens en Grèce archaïque, puisqu'on a affaire à une polysémie de dieux. Il y avait des procédures à Athènes pour admettre des dieux nouveaux, etc. Et donc, il n'y avait pas cette idée d'un message unique et d'un texte sacré auquel il faut se référer obligatoirement. Donc, à cause de ça, la critique et l'indépendance de vue restaient déjà dans ce cadre-là possible, plus accessible. Deuxièmement, la dissémination de la société grecque en petites peuplades autonomes a donné naissance à plusieurs cités-États, plutôt qu'à un vaste royaume centralisé où les différents roitelets sont des chefs parmi des égaux avec lesquels il convient de négocier. D'où le fait qu'en maintes cités, le roi finira par disparaître, laissant la place uniquement à une confrérie aristocratique. Troisièmement, les aristocraties locales durent elles-mêmes négocier et trouver un compromis avec la classe de petits propriétaires terriens, des semi-aristocrates qui composaient le peuple et qui, via des assemblées, déjà, vous savez, dans l'Iliade d'Homère, il y a référence à des assemblées du peuple, et on le trouve aussi dans l'Odyssée, donc via des assemblées avaient leur mot à dire dans la direction des affaires de la communauté. Ce rôle politique des semi-aristocrates ou de cette classe moyenne paysanne fut d'ailleurs renforcé par leur participation à cette classe moyenne dans l'armée des hoplites, hein, avec la formation des fratries. Les hoplites, c'est comme une petite unité guerrière avec des confrères qui œuvrent ensemble. C'est l'opposé de la guerre faite par le héros. Et cette confrérie d'amis à travers l'armée est devenue une confrérie d'amis aussi dans la cité. Quatrièmement, l'opposition, parfois farouche et même menaçante, on frisa souvent la guerre civile, la stasis en grec, entre l'aristocratie locale et la petite et moyenne paysannerie, força les uns et les autres à d'importants compromis sociaux et à une intégration de plus en plus grande des éléments du peuple, à une participation politique active, notamment chez les hoplites. Cinquièmement, pour éviter les conflits trop déchirants, il fallut donc innover, inventer de nouvelles structures politiques, de nouveaux aménagements permettant un certain équilibre des forces. D'une cité à l'autre, on pouvait comparer les institutions politiques et voir à les améliorer. D'une cité à l'autre, il y avait une classe de sages itinérants qu'on appelle les sophoïs, qui sont en fait les ancêtres des sophistes. Les sophoïs qui étaient des intellectuels, des penseurs, des législateurs qui, d'une ville à l'autre, se promenaient en Grèce pour conseiller les États sur les procédures législatives à mettre en place. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Protagoras, eh bien, quand ami de Périclès, on dit que Protagoras, le sophiste, donc, aurait écrit une législation pour Thuroïde. Donc, on l'a mandaté pour ça. Donc, il y avait cette habitude d'intellectuels itinérants qui conseillaient les cités. Donc, d'une cité à l'autre, des sages itinérants pouvaient servir de médiateurs et conseiller les différentes cités dans leur recherche de compromis. Sixièmement, dès le départ, on peut repérer dans les sources grecques l'expression d'une certaine insatisfaction vis-à-vis du mode de gouvernement aristocratique, trop centré sur ses propres intérêts et incapable de véritablement défendre ceux de la communauté tout entière. Un peu dans le même sens que Raflab, Yann Morris défend l'idée que c'est une puissante idéologie ou une puissante tendance égalitaire qui est à l'origine de l'instauration de la démocratie, prenant en cela position sur ce plan contre Mogens Hansen, qui insistait plutôt sur l'aspect institutionnel de la chose, hein, qui disait « c'est l'institution politique qui façonne l'homme démocratique », et la vie démocratique, et non pas l'inverse. Maurice, lui, pense le contraire. Il dit « Je suggère que quelque chose comme un principe de considération égale des individus apparaît au 8e siècle, donc c'est très ancien, et quelque chose comme un fort principe d'égalité. » Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, au tout dernier, là? Alors, je répète la formulation de Yann Morris. Je suggère que quelque chose comme un principe de considération égale des individus apparaît au 8e siècle, c'est l'isonomia, hein? Et quelque chose comme un fort principe d'égalité à la fin du 16e siècle. Ajoutant que, je le cite encore, dans un tel contexte, l'instauration de la démocratie n'a rien de surprenant. La figure du citoyen moyen, le middling man, apparaît déjà au 7e siècle, chez Hésiode, chez Solon, chez d'autres poètes, petits propriétaires terriens, mariés, qui forment le groupe des mésoïs ou des mitrioïs, l'homme moyen. Cette idéologie du juste milieu, en opposition à l'idéologie élitiste, du héros qu'on trouve également présente chez Homère, donc cette idéologie de l'homme moyen va se propager et gagner le cœur de l'arène politique progressivement jusqu'à la victoire obtenue à l'arraché de la démocratie au 6e siècle. Donc, avant même l'institutionnalisation de certaines législations démocratiques, il y eut la volonté démocratique, ou disons plutôt que les deux phénomènes s'accompagnèrent plus ou moins l'un l'autre. Josiah Ober, le grand historien de la pensée grecque classique qui est professeur à Princeton, Ober illustre ce point par un exemple. Prenant l'exemple d'un récit qui nous est rapporté par deux sources, par Hérodote d'un côté et par Aristote de l'autre dans la Constitution des Athéniens, il prend l'exemple d'un récit en 508 de la lutte entre Clisthène, le réformateur grec, et Isagoras, partisan de la royauté et de l'oligarchie. Ce dernier, Isagoras, appuyé par les lacédémoniens, donc par les Spartiates, Clisthène est chassé d'Athènes, Isagoras et ses amis lacédémoniens entrent dans Athènes, accompagnés du roi Cléomène, et tentent de disperser le conseil, c'est-à-dire l'Ecclésia, l'organe démocratique athénien. Mais le peuple va réagir. Et voilà la citation d'Aristote, il nous dit ceci, « Mais quand le conseil eut résisté et que la foule, pléthos, se fut rassemblée, Cléomène, Isagoras et leurs partisans se réfugièrent à l'acropole. Le parti démocratique les y assiégea pendant 2 jours, Le 3e jour, il laissa partir à la faveur d'une capitulation Cléomène et tous ceux qui se trouvaient sur l'acropole avec lui. Fin de citation. Alors pour Josiah Ober, l'origine de la démocratie n'est à chercher ni dans des initiatives individuelles, ni dans des institutions ou des prémices fondationnelles comme telles, mais dans cette sorte de volonté populaire. Je le cite, « Democracy comes into existence with the capacity of a demos, donc le peuple, to act as a collective historical agent. In Athens, that came about when I, the people, did something that really mattered by besieging a Spartan king for 3 days on the Athenian Acropolis. » Alors, aucune institution en tant que telle, aucun individu isolé ne peuvent en soi faire naître un mouvement démocratique, mais il y fallut un état d'esprit, une manière de voir, une volonté largement partagée à cet effet. D'où, selon moi et selon plusieurs historiens, un processus forcément lent. Comme le note Josiah Ober, quelque chose de pragmatique, experimental and revisible. Comme l'exprimait de son côté l'historien allemand Christian Meier, qui disait ceci, j'aime beaucoup cette phrase, il dit « Les Grecs ignoraient tout de la possibilité d'une démocratie avant de la réaliser eux-mêmes, car avant eux, il n'y avait pas eu de Grecs. » Donc, il fallut apprendre patiemment, procéder par essais et erreurs, expérimenter au fur et à mesure ce régime encore à naître ou à faire naître. Alors, je voudrais insister encore sur cet aspect graduel, processuel, tâtonnant de la maîtrise du peuple sur ses propres institutions et la confirmation finale de sa souveraineté absolue. D'ailleurs, on pourrait jouer un jeu de savoir, en posant la question, qui a instauré la démocratie athénienne? Eh bien, il y a plusieurs candidats. 3 ou 4 ou 5. On pourrait dire, c'est Solon en 594. C'est ce que dit Aristote. On pourrait dire, c'est Clisthène en 508. La géniale réforme de Clisthène. On pourrait dire que c'est Éphialte en 470 qui a aboli les privilèges de l'aréopage. On pourrait dire que c'est Périclès qui a introduit le mystos, etc. Donc, tous ces indices nous montrent que la démocratie grecque est un processus, avec jeu, tâtonnement, avancée et recul et erreur, etc. Et quelque chose qui s'est créé, donc, au fur et à mesure. Mais pas Dracon. Pardon? Il n'est pas Dracon. Ah ben, Dracon, oui. Oui, mais on n'est plus renseigné sur lui. Alors quoi? Comment expliquer cette affaire, cette naissance et cette émergence? Alors, Christian Meier nous dit, et je pense qu'il faut retenir ça quand même, le processus conduisant à l'isonomie nous demeure largement inconnu. L'isonomie, c'est le nom ancien de la démocratie, si vous voulez. Avant de s'appeler démocratie, l'isonomie, l'égalité devant la loi, c'était comme ça qu'on appelait la démocratie. Le terme de démocratia est assez... Son origine est débattue. À quelle époque? Est-ce que c'est avec Clisthène, un peu après Clisthène? Les historiens se disputent sur cette affaire-là. Donc, il nous dit, le processus conduisant à l'isonomie nous demeure largement inconnu. C'est-à-dire que, malgré toutes les pistes de réflexion que nous cherchons à développer pour comprendre pourquoi est-ce que c'est né en Grèce et pas ailleurs, il nous manque des éléments. Hein, il y a le problème comme du chaînon manquant en quelque sorte. Jadis, vous le savez, il y avait la réponse de Ernest Renan qui était de dire « c'est le miracle grec ». C'est pas mal comme explication quand on n'a pas finalement le miracle, pourquoi pas. Évidemment, on cherche à remplacer par autre chose, mais il nous manque encore pas mal d'éléments. Les meilleures hypothèses que j'ai trouvées, moi, c'est chez Christian Meier. Alors, il nous dit ceci, on peut seulement observer comment différents facteurs ont pu converger et favoriser cette isonomie. L'une des particularités les plus frappantes de la sociogenèse grecque, dit-il, et que la monarchie n'y joue aucun rôle notable. D'autre part, ce qui a été décisif, pense-t-il, dans la préhistoire de l'isonomie, c'est que le commerce, très grande référence au commerce chez Christian Meier, une population très commerçante qui impliquait une grande partie de la population et qui donc n'avait pas le temps en quelque sorte de s'installer en royaume. Et aussi le commerce maritime, la vie maritime. Donc, je cherche ma ligne. Donc, ce qu'il y a dans l'histoire de cette isonomie, c'est que le commerce, voilà, la piraterie et la colonisation concernaient une fraction notable de la population. D'autre part, dit-il, page 50, les pouvoirs politiques centraux, en particulier les monarchies, y étaient faibles. Et il nous dit, page 51, à comparer la Grèce archaïque avec d'autres cultures, on conclut que la tentative d'organiser la société à partir du modèle monarchique a échoué, si tant est qu'il n'ait jamais eu lieu. Donc, à défaut d'un pouvoir central fort, eh bien, des capacités intellectuelles plus grandes furent suscitées et sollicitées quand, en maints endroits, les couches moyennes et inférieures de la population, le middleman dont j'ai parlé tout à l'heure, envinrent à protester contre la transmission purement orale du droit, qui était le monopole de l'aristocratie, et se mirent à exiger l'institution d'arbitres impartiaux. Les nombreuses tentatives visant à mettre fin à la crise sociale présupposait et nourrissait un mouvement intellectuel, dit-il, qui gagna progressivement toute la Grèce. Il n'y avait pas encore à ce stade, on le comprend sans peine, de théorie démocratique, mais plutôt un étroit jeu de problèmes et de réponses. Je cite Meier dans son livre qui s'appelle « Die Entstehung der Politik bei der Griechen ». Je cite... On progressait en tâtonnant, on saisissait une chose, on l'expérimentait, on en tirait un enseignement. Tous les jugements et tous les projets étaient étroitement liés à une situation particulière et ne pouvaient s'en extraire que dans des limites très restreintes. On n'avait guère d'avance sur la réalité. Ainsi, la pensée politique, et la réalité de la police, les vues de quelques-uns et les connaissances et les aspirations de beaucoup se sont progressivement rejointes. Cette pensée était donc profondément imbriquée dans la réalité politique et sociale. Elle représentait, sur une large échelle, un large processus anonyme, un morceau d'histoire sociale, l'avancée intellectuelle de toute une société. Alors voilà pour Christian Meier. Je voudrais... Vous avez une minute, 15 minutes? Oui. Ça vous va? Au moins. Oui. Ça va? C'est un ordre de grandeur. Alors, juste quelques références sur une difficulté. Et... je voudrais dire quelques mots sur les rapports entre la démocratie et la philosophie. Et donc, comparer Thalès, le premier philosophe, et Solon, le premier réformateur, après Dracon. En ce qui concerne les dates, je me base sur plusieurs travaux de l'anglais G. et R. Lloyd, par exemple, dans des livres, un livre qui s'appelle « Pour en finir avec les mentalités », Demystifying Mentalities, publié à Cambridge en 1990, ou encore un livre qui est traduit aussi, Magie, Raison et Expérience. Et je vais me baser aussi sur un article très important qu'il a écrit, qui s'appelle Democracy, Philosophy and Science, publié dans un ouvrage collectif qui s'intitule Democracy, The Unfinished Journey, en 1992. Donc, J.A.R. Lloyd nous dit... En ce qui concerne les dates, les deux premiers philosophes ioniens, Thalès et Anaximandre, sont approximativement contemporains de Solon, dont les réformes sont de 594. Aux yeux de Lloyd, sur le plan de la démocratie comme sur celui de l'argumentation philosophique et scientifique, le ressort est en dernière analyse le même. Il dit, c'est le raisonnement qui compte, non l'autorité, non le statut, non les relations ou la personnalité de son auteur. Il y a une affinité, une analogie de fonctionnement entre la tradition philosophique et la tradition démocratique, soutient Lloyd. Je le cite, « Ce qui caractérise la Grèce ancienne, ce ne sont pas seulement des changements intellectuels très exceptionnels. C'est aussi, à certains égards, une situation politique exceptionnelle. Et il semble qu'entre les deux phénomènes, il y ait une corrélation. » De cette situation politique découlent, selon Lloyd, 4 éléments fondamentaux. Premièrement, et dans la démocratie, et dans la tradition démocratique, et dans la tradition philosophique, il y a, dit-il, la possibilité d'innovation radicale. Premier point. Deuxièmement, il y a la possibilité, il y a un accès largement ouvert au forum du débat, et en philosophie, et en démocratie. Il y a, troisièmement, l'habitude de soumettre les choses à l'examen. Et puis, quatrièmement, le sentiment qu'il faut justifier ou rendre compte des choses. Il y a une expression en grec pour ça, c'est logandidonai, rendre compte, logandidonai. Et donc la préférence donnée par là, dit-il, aux méthodes rationnelles. Alors, je passe maintenant à la partie plus récente de l'exposé sur les prolongements modernes. J'essayais d'être rapide. Dans le sillage d'un certain nombre d'études récentes, je reprendrai à mon compte l'opposition développée par Isaiah Berlin, que vous connaissez tous ici, forcément, entre la liberté positive et la liberté négative. La liberté positive, c'est cette liberté qui autorise le citoyen à une participation pleine et active à la vie politique. À Athènes, cela correspond à la liberté du citoyen de plein titre, et non pas aux métèques, aux esclaves, aux femmes et aux enfants, etc., même si ces derniers jouissaient de certains droits. La liberté négative, de son côté, est celle en vertu de laquelle l'individu peut se soustraire aux demandes ou aux exigences de la cité dans laquelle il vit ou du pays dans lequel il vit. C'est en quelque sorte un droit de retrait vis-à-vis des prérogatives sociales ou collectives, le droit à la vie privée, le droit à la poursuite du bonheur privé. Selon Isaiah Berlin, vous le savez, cette liberté négative, la liberté privée, serait un acquis de la modernité, selon Hobbes, dit-il, et ne trouverait donc pas sa place dans les sociétés antiques. À l'époque moderne, en revanche, l'individu jouirait des deux libertés à la fois. Il peut participer activement à la vie politique, mais il peut aussi se retrancher dans sa vie privée et ne pas s'occuper de politique. Et c'est exactement ce que Benjamin Constant notait dans sa fameuse conférence de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, qui disait « Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. Et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. » Il ne faut pas être plus clair sur l'opposition entre la liberté ancien style et la liberté nouveau style. Pourtant, dans son jugement, Benjamin Constant est en fait très nuancé. Et je voudrais donner en donner deux exemples tirés de cette conférence. Il dit ceci. Il y a aussi dans l'Antiquité une république où l'asservissement de l'existence individuelle au corps collectif n'est pas aussi complet que je viens de le décrire. Cette république est la plus célèbre de toutes. Vous devinez que je veux parler d'Athènes. De tous les États anciens, Athènes est celui qui a le plus ressemblé au moderne. Athènes était de toutes les républiques grecques la plus commerçante. Aussi accordait-elle à ses citoyens infiniment plus de liberté individuelle que Rome ou que Sparte. Le commerce avait fait disparaître des Athéniens plusieurs des différences qui distinguent les peuples anciens des peuples modernes. Aussi observez combien leurs mœurs ressemblaient aux nôtres, dans leurs relations avec les femmes, dans leurs rapports avec les étrangers. Enfin, on sera frappé de leur amour excessif pour l'indépendance individuelle. Très fort quand même, leur amour excessif pour l'indépendance individuelle. Dans un autre texte, qui s'appelle « De l'usurpation », Benjamin Constant dit « Toutes les républiques grecques, si nous en exceptons Athènes, soumettaient les individus à une juridiction sociale presque illimitée. » Et en note, il dit « Il est assez singulier que ce soit précisément Athènes que nos modernes réformateurs, il fait référence aux révolutionnaires, aient évité de prendre pour modèle, c'est qu'Athènes nous ressemble trop. » Il voulait plus de différence pour avoir plus de mérite. Le lecteur curieux de se convaincre du caractère tout à fait moderne des Athéniens peut consulter, dit-il, Xénophon et Isocrate. Alors, à partir de là, l'opposition d'Athènes et de la démocratie moderne en est une, selon moi, de degré davantage que de nature. Dans une démocratie directe, plus exigeante pour les individus, la nécessité du sacrifice des intérêts privés au profit du service collectif peut en effet faire craindre la disparition ou l'effacement des aspirations personnelles. Dans une démocratie indirecte ou représentative, plus encline à poursuivre la poursuite individuelle du bonheur et les bénéfices particuliers, c'est en revanche l'intérêt pour la chose publique en général qui risque de faire défaut. On ne le constate que trop bien dans nos démocraties modernes. Donc, pour éviter ce double danger, à savoir l'embrigadement de l'individu d'un côté et la dislocation du lien social de l'autre, il faut combiner et maintenir fermement ensemble les deux, dit Benjamin Constant. Je le cite, « Le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le partage du pouvoir, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et jouissances individuelles. Le danger de la vie moderne, c'est qu'absorbés dans les jouissances privées et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. » Donc, par ce simple énoncé, me semble-t-il, Constant manifeste une certaine continuité et une certaine affinité entre les deux exigences de démocratie que l'on trouve exprimées dans la modernité et dans l'Antiquité, selon moi. Alors, contrairement à ce qu'avait soutenu Isaiah Berlin, ces deux expressions de la liberté, positive et négative, ne sont pas irréconciliables. Et, comme le résumait Mogens Hansen, « Constant got it right and Berlin got it wrong », disait-il. Or, dans sa présentation de l'œuvre de Benjamin Constant, on pourrait dire aussi que Marcel Gauchet « got it wrong », dans la mesure où ce dernier prolonge le préjugé de Berlin, selon lequel l'humanité aurait purement et simplement banni la liberté ancien style pour lui substituer la liberté nouveau style. Je cite Gauchet, qui me paraît vraiment être dans l'erreur sur ce point. Il dit « Voilà le trait par excellence nouveau de la liberté des modernes, la séparation personnelle, qui, dit-il, la distingue absolument de la liberté que les anciens trouvaient dans leur intégration à une collectivité. » Est-ce que j'exagère en m'opposant sur ce point à Gauchet ou à Berlin? Est-ce que je rétro-projette cette liberté individuelle chez les anciens? Peut-être, on peut le vérifier en tout cas. Avec au-delà que ce que les textes d'Euripide, de Périclès et de Lysias nous ont donné à voir, je voudrais, à tout seigneur, tout honneur, en revenir à une citation d'Aristote dans les Politiques, qui dit ceci, au livre 7, chapitre 2, 13, 17 et suivante. Alors, le principe de base de la démocratie écritive, c'est la liberté. C'est en effet ce qu'on a coutume de dire, parce que c'est seulement dans une telle constitution que les citoyens ont la liberté en partage. C'est à cela que tend, dit-on, toute démocratie. Il poursuit, et l'une des formes de la liberté, c'est d'être tour à tour gouverné et gouverné. ce que rend possible la démocratie. Un autre signe distinctif de la démocratie, dit-il, c'est le fait de vivre comme on veut. Todzen os bulita etis, de vivre comme on veut. Car, disent-ils, tel est l'effet de la liberté, étant donné que la servitude est de vivre comme on ne veut pas. Voilà donc la seconde caractéristique de la démocratie. Dans ce passage d'Aristote, les deux aspects positifs et négatifs de la liberté sont bien mis en relief. Le sens même de la recherche menée par Aristote pour déterminer le bon régime politique est guidé par le désir qui est le sien de trouver, je le cite, « la communauté politique la plus efficace de toutes pour des hommes qui ont la faculté de vivre autant que possible selon leurs vœux. » Aristote insiste régulièrement, d'autre part, sur le fait... sur la séparation à faire entre le public et le privé, entre la vie publique et la vie privée. Dans l'idée, dit-il, je le cite, que du point de vue du plaisir, on ne saurait exprimer combien il importe de considérer quelque chose comme propre à soi. Et en rappelant que le bonheur est fondamentalement quelque chose d'individuel et de privé, qui ne dépend donc pas, dit-il, du tout de la cité. Même s'il peut y avoir des cités heureuses, ça c'est une autre question, mais le bonheur est aussi une expérience personnelle. Donc, la liberté antique n'était en rien parfaite, tant s'en faut, mais il s'est trouvé là, et là ça rejoint peut-être, vous avez mentionné au début les références à Castoriadis, sur ce point-là je le rejoins tout à fait, mais il s'est trouvé là une sorte de germe, quelque chose comme l'essor premier de ce qui se développera et se perfectionnera progressivement ensuite, les prémices véritables, selon mon hypothèse, de la société ouverte moderne. Un des indices probants de ce phénomène est l'insistance accordée de part et d'autre, dans l'Antiquité comme dans la modernité, sur la liberté et la communauté sous-jacente de vue qu'une telle emphase implique. À ceux qui dénient une telle parenté entre les Grecs et nous sur ce point, je renvoie à Mogens Hansen qui dit ceci. Il dit « If the Athenians had no notions of individual freedom, how can it be that it appears as an ideal in the sources that praise democracy? If the Athenians had no notions of individual freedom, it is a mystery to me that they are able to describe it in words and phrases that are so close to those used by modern champions of freedom. » Je conclue. Alors, en conclusion, je reviens à Cornelius de Pau que j'ai cité tout à l'heure, qui fait l'éloge des Grecs, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Et qui dit ceci. « Si l'on renonce, comme il faut raisonnablement y renoncer, aux idées d'une perfection absolue, où il n'est pas donné aux hommes d'atteindre, on avouera que malgré les abus qui s'étaient introduits dans quelques institutions des Athéniens, leur ensemble offre un tableau très intéressant pour l'esprit humain. Et il n'est guère possible d'aller au-delà, ni de trouver dans toutes les combinaisons imaginables des règlements plus sages, ni des mesures mieux concertées. Et surtout, lorsqu'on se transporte dans ces siècles reculés dont il s'agit, car nous qui avons profité des découvertes et des fautes de tant de peuples différents, nous pouvons plutôt nous glorifier de nos lumières que de nos inventions, et en fait de loi et en fait de police. On peut hardiment assurer qu'aucune nation de l'Europe n'aurait été en état d'atteindre sans guide, sans maître, et par sa propre force, au point où les Athéniens s'étaient élevés. Que d'efforts n'a-t-il pas fallu faire pour renverser un édifice tel que la féodalité? Et après avoir travaillé longtemps à cette démolition, il en est encore resté des ruines si prodigieuses que leur ombre offusque les meilleures lois. Que d'efforts n'a-t-il pas fallu faire pour réprimer les prétentions de ces ultramontains, on parle du Vatican, de ces ultramontains qui, des bords du Tibre, voulaient s'approprier l'argent de ceux qui habitaient le long de la Seine et du Danube. D'où il résultait dans l'administration de tous les gouvernements un trouble perpétuel et une confusion inexprimable. Enfin, l'anarchie complète où l'Europe a été plongée et d'où l'on a commencé à sortir qu'en étudiant les monuments de la Grèce, prouve assez que jamais les Européens livrés à leur propre lumière n'auraient pu faire des progrès sensibles dans la civilisation et les Romains eux-mêmes n'en auraient pu faire s'ils n'avaient eu assez de bon sens pour aller chercher des lois à Athènes. Aussi longtemps qu'ils observèrent ces lois-là, ils furent libres, grands et puissants, mais dès qu'ils les négligèrent, ils devinrent les derniers des esclaves et les plus corrompus des hommes. Fin de citation. Je conclus. Certes, Athènes ne fut pas parfaite et il y eut dans son histoire des cas d'abus, on pourra en parler, mais toutes nos sources confirment qu'elle fut incomparablement plus libérale que toutes les autres cités-États connues. Il conviendrait peut-être alors d'affirmer d'Athènes ce que Churchill, dans cette phrase restée célèbre, avait énoncé de la démocratie, le pire des régimes politiques sauf tous les autres. Eh bien, proclamons de même Athènes, la plus intolérante des cités entières, sauf toutes les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, merci beaucoup Jean-Marc pour cet exposé très riche. Je remarque, je ne sais pas si c'est votre habitude ou si vous l'avez fait pour nous, mais je remarque l'aparté en sciences historiques et sociales pour ancrer la réflexion sur les données d'archéologie et d'histoire. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à partir de ce que Jean-Marc Narbonne a dit ou dans le prolongement des réflexions? Il y a des longs bouts sur lesquels c'est difficile d'être en désaccord. Il y a des longs bouts... bon. Gilles? Ben, merci pour la conférence. Très intéressant. C'est provoquant un peu aussi, dans la mesure où vous faites une Athènes libérale. Heureusement, pas néolibérale. Moi, juste une question, quand vous avez dit sur l'Isonomia, c'est très compliqué, l'origine de l'Isonomia. Oui. Et c'est très important dans votre exposé, puisque c'est l'attitude qui est à la base, qui précède les institutions ou l'agir politique collectif. Donc, c'est quelque chose de très important. Ça s'est joué sur une attitude, puis l'origine de l'attitude, on ne la connaît pas. Oui. Ça s'est joué sur une disposition, et la disposition, on ne sait pas pourquoi elle a surgi là. Oui. Qu'est-ce que je voudrais juste vous soumettre ici, donc c'est un détail, je comprends qu'il va y avoir des discussions plus globales de votre propos, mais qu'est-ce que vous pensez de Kogel quand il dit dès qu'un droit est écrit, dès qu'un droit est fabriqué par la loi, le droit s'inspire nécessairement de l'idée de la justice. Parmi les idées de la justice, il y en a une fondamentale qui est l'égalité. Et c'est l'idée de la justice des aristocrates, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque a priori. Parce qu'entre nous, ça peut juste finir à la mort de tous. Donc, on va se concéder, on va se reconnaître. Et Athènes, la Grèce, le monde grec, parce que c'est un monde, 160 cités, il est issu de la décomposition d'une grande civilisation palatiale qui avait lieu dans l'entour de 2200 avant Jésus-Christ et qui a passé par une longue période de Moyen-Âge, de repli, de destruction et de confinement dans une civilisation du palais, du manoir, de la seigneurie. Et qu'est-ce que vous pensez de l'idée que l'origine de l'isonomia, c'est l'origine d'une société qui se forme à partir d'une pluralité d'aristocrates? C'est-à-dire, du moment que le roi, le système centralisé s'est démoli, du moment que la Grèce est ouverte à toutes les conquêtes, à toutes les barbaries, on s'est replié sur l'économie agraire, rurale, locale, familiale, avec un groupe de parenté, etc. Et s'est formé là l'aristocratie des Ajax, Agamemnon, Achille et compagnie, qui eux, par définition, ne peuvent se côtoyer que dans le cadre de l'isonomie, autrement dit, ce que vous mettez à l'origine, l'attitude démocratique des Grecs d'où elle vient, ben, En gros, ça vient simplement du fait que les cités se forment sur la base d'un Moyen Âge, ça a duré 1000 ans, aristocratique, pour lesquels on a maintenu l'unité culturelle de ce monde grec que dans un rapport égalitaire entre les différentes seigneuries, pour dire ça comme ça. Un peu la même chose, dans le fond, que quand on se demande d'où vient le sentiment contractuel en Europe, Marc Bloch qui dit, bon, ben, c'est la recomposition à partir de la féodalité, un contrat entre deux individus qui conviennent les yeux dans les yeux, puis en jouant sur la Bible, que dorénavant aussi, comment on va agir l'un avec l'autre. Oui. La relation contractuelle, féodale, c'est à l'origine des contractuels de la société en Occident, on dirait. Bon, je vous suggère ça, c'est-à-dire, ça ne me paraît pas de la bonne sociologie de dire qu'il y a une attitude qui est à la base de tout, on ne sait pas de quoi elle vient. C'est ça que... Donc moi, je chercherais absolument une explication à l'attitude. Oui. Si on est pour mettre l'attitude à la base de tout. Bien sûr. Votre question est très difficile parce que, en raison du manque de sources auxquelles on est confronté. D'accord ? Il y a plusieurs points. D'une part, la tradition démocratique grecque ne vient pas de l'effondrement de la société mycénienne. Ça, c'est certain. Hein, l'organisation palatiale était... et le Milan. Oui, c'est ça. Et la civilisation minoenne mycénienne... n'en est pas la source, ça c'est certain. Parce qu'au fond, la tradition démocratique et critique grecque est née en Ionie. Okay. Et il y a même des textes où, par exemple, Hérodote, dans son Historia, dit que eux-mêmes, les Athéniens, ils ont été décolonisés, quoi. Ils ont été colonisés par les Ioniens. Donc Thalès et tout ça c'est dans le bassin oriental de la Méditerranée. Et donc, ça c'est pour une chose. Okay. En un sens, je ne peux pas vous répondre, parce que je n'ai pas la réponse, et personne, à ma connaissance, n'a la réponse. On peut simplement donner des éléments de réponse, si vous voulez, etc. Bon, on pourrait remonter plus loin, par exemple, et dire qu'est-ce qui fait que les Grecs ont cette religion qui est la leur et qui est comme ça. D'accord? Bon, ça c'est très important, cette question du rapport à la religion. Pourquoi? Parce que quand on compare l'Aufklärung grec à l'Aufklärung moderne, l'Aufklärung moderne s'est opposé à un obscurantisme monologique et organisé. L'Aufklärung, entre guillemets, grec du 6e siècle ne s'oppose pas à une hiérarchie sacerdotale organisée, parce qu'il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que déjà dans la Grèce archaïque, il y avait une tradition d'aède, hein, de rhapsode, qui rapportait les mythes et qui les adaptait au fur et à mesure. Donc il n'y avait pas cette idée, il n'y avait pas d'orthodoxie. Et la religion grecque, on l'a souvent décrite comme étant une orthopraxie et non pas une orthodoxie. Il y a des cultes civiques à suivre, mais il n'y a pas d'exigence de croyance. On ne demande pas de mettre le cœur sur la main puis de dire je crois en Zeus et en un Zeus unique. Ça n'existe pas. Okay? Donc c'est une mentalité extrêmement différente. Et ça a joué cette affaire-là. D'accord? Ça, c'est le premier point. D'autre part, alors là, les hypothèses sont nombreuses. La géomorphologie grecque, le fait que bon, le territoire était très accidenté, ils ont accès à la mer par tous les côtés. On a parlé du commerce, on a parlé du fait que, justement, à cause du territoire accidenté et des petites cités-États qui n'arrivaient pas à se rassembler pour former un empire. Ça, on ne peut pas l'expliquer, on le constate. Okay? Donc, du fait qu'il y a, au fond, entre les différentes cités, des ligues d'associations qui se forment pour se défendre contre, par exemple, dans Homère, quand les différents rois teleux se rassemblent pour aller faire la guerre à Troie, mais qui sont ces gens? Ce sont des petites cités, au fond, qui ont un air de famille entre elles, mais Agamemnon n'est pas le chef de tous, et Eschyle lui dit d'ailleurs, de ce jour, je ne t'obéirai plus. Ça, c'est clair. Donc, il y a ça. Et ça, on ne peut pas... Quand Christian Meier donne comme réponse, il dit si la société grecque archaïque a tenté de s'organiser en empire, toujours est-il qu'elle n'y est pas parvenue. Mais ça, c'est formulé l'affaire d'une drôle de manière, comme si le seul destin, c'était d'essayer de s'organiser en monarchie. Il le dit comme ça, mais ça peut paraître maladroit, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que si tenté que ça a été tenté, ben, ça n'a pas réussi, on ne le voit nulle part. Okay? Bon, il y a ça. Donc, il y a l'élément culturel, si vous voulez, dans le rapport à la religion, d'accord? Il y a l'élément peut-être géomorphologique, il y a l'impossibilité de se rassembler en empire. Il y a un troisième élément que je n'ai pas mentionné, c'est l'opposition à la Perse. Et pour les Grecs, et pour Hérodote, comme Hérodote l'explique, être grec, ce n'est pas une question de race et de natalité. Être grec, c'est ne pas vouloir vivre sous la tutelle d'un tyran. De tyran. Ça, c'est très clair pour lui. Si tu es prêt à vivre comme un grec, c'est-à-dire dans la cité sans la tutelle du tyran, eh bien, tu es un grec. Okay? Et donc, et ça, c'est l'hypothèse notamment de Kurt Rafflab, mais de d'autres, de dire que cette conscience de la liberté s'est forgée en opposition à l'Empire perse, okay? Qui, lui, était très menaçant. Alors, bon, c'est toute l'histoire des guerres médiques. Et donc, c'est peut-être aussi un élément supplémentaire. Donc, quand je dis qu'il y a une certaine mentalité, je ne veux pas dire par là qu'elle est née de la cuisse de Jupiter. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis c'est la dernière explication. Mais on la constate dans les textes. Nous avons des documents épigraphiques qui le confirment aussi loin que l'on remonte. D'accord? On la voit. On voit des bribes de ça. Ce qu'on n'observe pas ailleurs. Au-delà de ça, je suis incapable de vous répondre. Excusez-moi, j'aimerais peut-être juste ajouter des choses, disons, du point de vue archéologique, parce que j'ai touché pas mal à ça, donc je connais un petit peu, ça peut-être préciser. Ben, premièrement, il est évident que sur le plan archéologique, quand on arrive à l'âge du phare, donc l'âge du phare, c'est après l'âge du bronze, c'est après les destructions, il n'y a pas de traces archéologiques claires de royauté. On n'est même pas sûr qu'il n'y ait jamais eu des rois à cette époque-là. Donc, 9e siècle, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à ça, mais après, non. L'autre chose aussi, au niveau du commerce, le volume de céramique importée, et là, au 7e et même à la fin du 8e, c'est la céramique corinthienne, à quel point ça a inondé les sites, ça montre que vraiment, il y avait des contacts intenses, déjà, entre les différentes régions, et il y a beaucoup d'objets orientaux aussi qui arrivent en Grèce, qui affluent en Grèce, parce que ça a carrément influencé les grands styles de céramique et les différents types d'artefacts. Donc ça, c'est pour l'aspect commercial. Puis l'autre chose aussi, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Jean-Marc, les premiers fragments de céramique décorée qui ont été retrouvés avec une inscription, bien, il me semble que c'était des noms propres, c'était des noms d'artisans. Puis c'est quand même des choses qui datent de loin, ça montre que déjà, il y a comme... Il y a une reconnaissance de l'individualité jusqu'à un certain point. Moi, sur le plan archéologique, c'est les éléments que je peux apporter. Il y a ça, puis il y a aussi, justement, pour ce qui est des fouilles, ce que les fouilles ont permis de montrer durant les dernières années, c'est une espèce de schéma qui se ressemble un petit peu dans les plans de développement urbain, c'est-à-dire que les communautés, bien, quand on a des traces, parce que pour le 9e, on n'a rien, 8e, ça commence un petit peu, dès qu'on commence à avoir des traces visibles, c'est qu'on a tendance à avoir des agglomérations qui se forment autour d'un centre circulaire, qui serait comme l'agora finalement, comme la place publique, ce qui laisse penser qu'il pouvait y avoir justement un lieu de réunion. Mais ça, c'est des spéculations, mais étant donné qu'il n'y a pas de sources littéraires qui ont survécu, parce qu'il reste tellement presque rien, c'est à peu près les seuls indices qu'on a attendus. Merci. C'est bon. Oui, merci pour votre exposé très intéressant. J'aurais deux questions qui me viennent évidemment de la lecture de Castoriadis de cette même époque qui vous rejoint sur le fond de votre argumentaire, notamment sur l'apparition concomitante de la philosophie, de la politique et de la démocratie. Oui. De manière, et aussi évidemment de l'importance du germe grec pour nos propres représentations démocratiques et libérales. La première question, c'est qu'il insiste beaucoup sur une mutation qui se situerait dans un ordre que vous n'avez pas évoqué, qui est un ordre peut-être qu'on devrait appeler cosmogonique, qui est pour lui la mise en évidence de quelque chose comme l'apeiron, comme l'indéterminé, qui viendrait briser en quelque sorte l'ordonnancement hiérarchique de la physis. Oui. Et pour lui, évidemment, d'une certaine manière, il radicalise l'opposition nomos physis en fonction de cette ouverture à l'indéterminé, qui selon lui est une condition de possibilité en quelque sorte de l'admission d'une conventionnalité radicale du nomos, à partir d'un dédoublement qui serait au sein même de la pensée mythologico-cosmogonique. Oui. Donc, première question sur l'indétermination. Et deuxième question, sur quelque chose que, évidemment, peut-être les femmes ici devraient, enfin, dont les femmes ici devraient parler avant moi, mais c'est évidemment, il y a un texte de Castoriadis qui compare liberté moderne et liberté athénienne, ou antique, mais pour lui, évidemment, c'est la même. Et il y a 15 arguments de distinction. Il y en a 11 qui vont dans le sens de la démocratie antique, notamment le tirage au sort, vous savez, les régimes d'assemblée, etc., la participation. Il y en a 4 seulement qui vont en faveur de la liberté des modernes, chez Castoriadis, dont l'un est évidemment, il est obligé de le reconnaître, il semble même à son corps défendant, c'est ce qu'il appelle l'individuo-universalisme. Et évidemment, vous n'avez pas évoqué dans la vie publique, mais c'est une évidence pour tout le monde, je pense ici, c'est que c'était une extrême minorité qui était citoyenne. Donc l'expulsion des femmes et des métèques, en l'occurrence, on sait qu'Aristote toute sa vie est resté un métèque, lui-même à Athènes. Donc d'une certaine manière, on est bien obligé d'insister radicalement sur ce point, y compris si on considère Athènes comme un germe, pour dire qu'il y a là quelque chose qui est radicalement nouveau, dont on ne peut pas tracer a priori une ligne d'influence même. Parce que à partir du moment de la Déclaration des droits de l'homme, même si les femmes ont attendu 150 ans pour être citoyennes de cette de la participation publique, on peut estimer que quelque chose était posé qui ne l'était pas, possiblement au moment de la citoyenneté grecque. Alors c'est... Ça rejoint par ailleurs d'autres choses que vous avez juste évoquées en passant, qui est le rapport des Athéniens avec les autres cités, c'est-à-dire notamment l'extermination des Méliens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer quelque part les autres à égalité d'un point de vue universaliste, les autres personnes. Oui, alors pour le premier point, et je reviens sur la question précédente aussi, la question des villes, parce que vous avez parlé d'un certain nombre de villes, mais on répertorie en Grèce classique jusqu'à 1000 villes, 1000 cités. Au 4e siècle, 5e, 4e siècle, 40 à 45% des villes sont démocratiques, et chacune avec des constitutions différentes. Donc, c'est simplement qu'on est mieux documenté sur Athènes, mais Athènes n'est ni la première, ni la seule démocratie, beaucoup s'en faut. Okay? Il y a des centaines et des centaines de villes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que vous avez mentionné concernant l'opposition entre nomos et physis, ça, c'est fondamental. Okay? Physis, la nature, nomos, la loi. L'opposition entre la nature et la loi. Et comment les Grecs vont spéculer là-dessus. Dans certains cas, il faut préférer la loi à la nature. Dans certains cas, il faut préférer la nature à la loi. On peut contester l'une par l'autre, etc. Et ça, c'est vraiment le débat philosophique, démocratique, etc., qui traverse toute l'histoire grecque et qui est fondamental non seulement à l'époque hellénistique, mais pour les sophistes. Les sophistes contestent la naturalité des lois traditionnelles, par exemple, justement. Donc, et ça, c'est un très, très bon exemple chez Castoriadis du fait de la réfutation de l'hétéronomie, c'est-à-dire cette idée que la loi vient d'ailleurs puis qu'elle est incontestable. Non, pas du tout. On peut la discuter et on peut la ramener sur le plancher des vaches et l'analyser, analyser ses tenants et ses aboutissants, ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est très important. D'autre part, la référence à la Peironne et donc aux spéculations libres des philosophes, Anaximandre notamment, sur l'infini, c'est, et ça va dans le sens de la réflexion philosophique et scientifique, c'est le caractère abstrait des spéculations. Quand Clisthène réforme les tribus et bouleverse les 4 castes traditionnelles et refonde la cité en 10 tribus, selon une planification quasiment géométrique et cartésienne, ben on est bouche bée. On se dit, où est-ce qu'il est allé pêcher ça? Et des recherches récentes ont montré qu'apparemment, ça diminue un peu le génie de Clisthène d'un certain point de vue, c'est qu'il y a d'autres villes qui ont été soumises à un plan géométrique comme celui-là, notamment en Eubée. Vous savez, l'Eubée, le long de l'île d'Eubée, hein, Chalcis et dans d'autres villes. Et donc, c'est assez fascinant de voir cette capacité d'abstraction, de refonder le système complètement sur des règles qui lui paraissent... Bon, la division du territoire de Clisthène, vous le savez, il y a 10 tribus, puis il y a 3 régions. Hein. Il y a le bord de la mer, il y a les champs et il y a la ville. Donc chaque dème a des représentants à la ville, des représentants dans la campagne et des représentants au bord de la mer. C'est génial, c'est complètement, c'est extraordinaire. Et Meier a une hypothèse là-dessus, parce qu'il dit, il est quand même incompréhensible, comment est-ce qu'on peut imaginer que les Athéniens ont accepté cette réforme par opposition aux castes traditionnelles qui renvoyaient à l'appartenance du nom des familles. Et lui, son hypothèse, c'est qu'au fond, Clisthène aurait simplement superposer sa réforme sur les castes anciennes, sans dire qu'il allait abolir la division en quatre traditionnelle. Comprenez-vous, pour ne pas choquer, parce que sinon on ne comprend pas comment une chose aussi révolutionnaire a pu se passer. Donc je suis tout à fait d'accord avec Castoriadis là-dessus, il n'y a pas de problème. Concernant l'autre point, la question des exclusions, évidemment, quand on prend la démocratie grecque comme un germe, ça veut juste dire qu'il y a des choses qui étaient moins bien que maintenant. Ça, c'est certain. Okay? Nous avons les droits de l'homme. Les Grecs avaient les droits des citoyens. C'est pas pareil. C'est en tant que citoyens qu'ils avaient des droits. Tandis que nous, c'est en tant que comme que nous avons des droits, pas en tant que membres d'une cité. Et ça, ça change tout. Certes qu'il y a eu... il y avait ça, mais d'autre part, on est mal placé pour faire la morale aux Grecs. Je veux dire, si on prend l'item des esclaves, mais on a eu des esclaves jusqu'au 19e siècle et parfois ça continue quasiment. Donc, si c'est le christianisme qui nous a sauvés de l'esclavage, ça a pris du temps, on peut dire ça. Deuxièmement, lors de la déclaration et de la Constitution américaine, Jefferson avait 200 esclaves. Il ne faut pas oublier ça. Les femmes n'ont pas eu le droit de vote dans plusieurs pays, pas avant, après la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez ce que je veux dire? Les exclusions, on les connaît aussi. D'autre part, dans plein de pays, je pense à la Suisse, les travailleurs étrangers n'ont pas de droit civique. Donc, hein, il y a des fautes dans d'autres... ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu amélioration et tout ça, c'est pas ça que je conteste pas ça. Simplement... c'est sûr que le statut des femmes reste honteux, pourrait-on dire, et l'esclavage pareil, et qu'il ne s'agit pas de le cautionner, mais de prendre simplement le germe, la semence et comment dirais-je, le principe d'ouverture qu'on peut y retrouver. Pas plus que ça. Je veux juste dire que ma question ne portait pas à un point de vue moral, oui, de la condamnation, etc. Ça portait sur la question des principes, justement. Oui. Oui. Si on dit germe, on infère une continuité entre les deux. Oui. Or, il me semble que sur ce point-là précis de principe, oui, on passe d'un régime à un autre et on n'est plus dans un régime de continuité. C'est juste que je comprends. Ma question portait sur ce point-là. Oui. À cause de l'abstraction, parce que vous parliez liberté négative, liberté positive. Oui. Et on comprend mal la liberté moderne si on ne la raccroche pas au type d'abstraction qui procède à un individu naturel. Oui. Et oui. Ce qui ne peut pas, à mon avis, être le cas en Grèce, mais c'est une question ouverte. Il y avait Daniel, Jean-François, après ce gars. Merci beaucoup d'abord pour cette exposé très intéressant, très riche. On aurait le goût de discuter de beaucoup de questions, on ne peut pas tout aborder en même temps. C'est ce que vous avez dit sur la royauté, même si vous avez... plutôt effleurissant en passant. C'est extrêmement important le fait que la royauté n'a jamais été importante dans la Grèce antique, le fait qu'elle n'avait pas un caractère sacré. C'est quelque chose qui doit faire partie de l'explication. Vous avez commencé, oui, vous donnez comme période de référence le 5e et le 4e siècle. C'est votre point d'appui, la période vraiment de la démocratie en Grèce, et puis vous en cherchez, vous reportez l'origine de cet esprit-là en amont. Et vous l'interprétez comme un très profond enracinement d'égalité dans la mentalité. Ce que vous avez dit sur Clisthène, c'est intéressant parce que, voyez-vous, si Clisthène, qu'est-ce qu'il a fait au fond dans cette réforme-là, c'est qu'il a modifié l'enracinement des personnes dans la cité. Il a déplacé d'une appartenance tribale à une appartenance, disons, politique. Okay? Oui. Territorial. Territorial. Même si ça restait pendant longtemps, tu restais toujours dans les gens avec qui tu étais parent. J'ai pas mentionné le nom de Dracon par hasard tantôt, parce que quand Dracon va mettre fin aux vengeances familiales, pour dire que les vengeances familiales, les vendettas, vont être désormais des crimes contre la cité, ils opèrent le même déplacement. Oui. Mais ça veut dire ceci, puis ça m'apparaît fondamental, sachant la question de Gilles. Tu sais, un roi, c'est quoi? C'est celui qui va s'ériger avec le primus inter pares. Et puis, c'est pas arrivé en Grèce. Ça veut dire que le sentiment tribal, là, le sentiment de fraternité qui reste fondamental dans les sociétés gentilistes, il est encore présent. Puis il y a un télescopage en Grèce du moment tribal et du moment politique. De telle façon que, pourquoi privilégier plutôt que ce sentiment communautaire, l'idée d'égalité? Ça m'apparaît pas évident, ça. Parce que, au fond, finalement, là, la Grèce va terminer sa vie sur la démocratie. Ça va être la fin. Et puis, elle va s'épuiser dans cette démocratie qui, effectivement, devient isolée à ce moment-là. Voyez-vous, j'aurais plutôt l'impression qu'il faut mettre l'accent sur la dimension communautaire qu'on va reporter des sociétés gentilistes. C'est la thèse de Glotz, au fond. Hein? Directement à la cité, de telle façon que moi, j'insisterais plus sur le moment communautaire qui est préservé, plutôt que l'idée d'isolement. Mais les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Voyez-vous? Oui. Ouais. Je ne sais pas. Donc, c'est parce que, autrement dit, dans ma manière de poser, mais vous voyez, je n'ai pas votre évolution, tout ça. Au fond, j'ai un mec souvenir de la thèse de Glotz, là, dans la cité grecque, et puis il me semble que c'est comme ça qu'il posait la question, le transfert d'une solidarité gentiliste à une solidarité politique. Et à ce moment-là, la question devient celle du rétablissement de la dimension communautaire de la société. Mais je pense que c'est important et que, sans doute, que l'isonomie est une de leurs revendications. Hein? Que les différents témoignages que nous avons aillent dans le sens d'une volonté de déhiérarchiser. Ça, c'est palpable. Ah oui, okay. Et donc, aussi l'idéologie du middling man, hein, le petit propriétaire terrien. Vous pouvez citer ce terme-là? La première fois que j'ai entendu, je pensais que vous disiez middle man, ça se peut pas. Non, c'est l'homme moyen, hein, c'est le petit paysan. La racine grecque, c'est quoi? C'est le métrioi, métrios. C'est l'homme du milieu, au fond, le petit qui est entre les pauvres, les extrêmement pauvres et les aristocrates qui possèdent beaucoup de terres, etc. Donc le petit propriétaire local, etc. Et vous dites comment? Métrios. Middling man, vous avez dit? Middling man, oui. Okay. Middling, l'homme du milieu, c'est bon. Okay. Donc il y a cette idéologie qui est présente, etc. Et pour ce qui est de l'autre chose que vous avez dite, qui est très vrai, c'est que il y a une chose dont on ne prend pas conscience, c'est la longueur de la démocratie grecque. Si on part en 594 de Solon et qu'on va jusqu'en 322 par la domination des lacédémoniens, on a près de 200 ans, grosso modo, de démocratie. Et on sait que la démocratie s'est poursuivie localement dans les villes, dans les cités, jusqu'en 146, lors de l'invasion romaine, au minimum. Et là, tu as près de 350 ans de tradition démocratique grecque. C'est plus que nous. C'est plus ancien que nos démocraties. Oui, mais là, premièrement. On a un problème de définition de la démocratie à ce moment-là. Oui, parce que, bien sûr. Les gens tombés dans l'esclavage en empêchant l'esclavage pour dette. Bien sûr. Bien sûr, mais ça, c'est Solon. Ça commence avec Solon. Et donc ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, durant ces années-là, il y a eu deux courtes interruptions, les deux révolutions oligarchiques, c'est tout, qui ont duré quelques mois, c'est pas beaucoup. Donc, et là, vous avez raison, évidemment, la démocratie sous Solon et sous Clisthène, c'est pas la même. Solon, c'est juste le début. Hein? En fait, sous Solon, on est encore dans une forme d'oligarchie, malgré tout, avec le processus démocratique. Mais le mouvement va s'amplifier. Jean-François. Merci pour votre exposé, même si là, après les interventions de mes collègues, la mienne est moins originale que je pensais. C'est juste, c'est ça, je voulais savoir les isonomies, parce que vous avez dit, je pense, vous citez Christian Meier dit avant les Grecs, il n'y avait pas de démocratie, donc ils ont dû la réaliser pour ensuite les penser. Mais quand on regarde un peu dans l'anthropologie politique, il y a plein d'études qui ont été faites en anthropologie classique sur ce qu'on appelle les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ou même chez les Iroquois ici qui étaient des cultivateurs, il y avait, ça ne s'appelait pas l'isonomie, mais Daniel a parlé du sentiment communautaire, mais il y avait quand même de facto, même si ce n'était pas écrit, une isonomie, dans la culture. Puis moi, je ne connais pas, puis j'avais, parce que quand je m'imaginais, parce que vous l'avez bien dit, le fait que la royauté n'a pas pu se figer, se fixer en Grèce archaïque, moi j'avais l'impression, en tout cas dans mes spéculations, mais je ne connais pas du tout ça, que la démocratie grecque, c'était un peu le fait que dans les dèmes, là, il y avait le souvenir de cette isonomie du passé qui avait comme perduré dans la culture. Donc on a formalisé quelque chose qui aurait pu être déjà existant, en tout cas qui comme il montre à l'anthropologie, peut être reconnu dans plein de sociétés. Oui. Donc dans les hypothèses que vous avez données, j'étais surpris de voir qu'il n'y avait pas celle-là parmi les auteurs. Là, parce que moi, en tout cas, qui est un grand fan à ce sujet-là, c'est la spéculation que je m'étais faite moi-même. Je suis surpris. Puis, voilà. Vous avez raison, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. On ne peut pas exclure, et les exemples que vous apportez le prouvent, on ne peut pas du tout exclure que des expériences démocratiques aient pu naître et se développer ailleurs, dans d'autres communautés humaines, et que les Grecs en auraient le monopole. Il n'y a aucune raison de penser ça. D'accord? Quand on pense aux Länder en Suisse, qui remontent au Moyen-Âge, où il y avait des Landes démocratiques, à processus démocratique, on se pose la question, est-ce qu'il y avait une influence grecque pour eux ou pas? Puis on n'en est pas sûr. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc on ne peut absolument pas exclure qu'il y ait eu d'autres populations avec des expériences, qui ont connu des expériences démocratiques. Hansen, quand il fait le répertoire et l'analyse de la démocratie grecque, il renvoie, il y a une littérature mésopotamienne, vous savez, dans la ville de Assur notamment, où qui aurait eu, à l'époque babylonienne, une proto-démocratie en quelque sorte. Okay? Et il y a des études là-dessus. Et peut-être aussi chez les Amérindiens, tout ça. Moi, je ne l'exclus absolument pas. Okay? Par contre, ce qui est très clair, me semble-t-il, jusqu'à plus ample informé en tout cas, c'est que ce qui est unique peut-être à la Grèce, c'est non seulement cette expérience démocratique, mais cette réflexion démocratique. Et ça c'est fondamental. Le fait que ce rebrassage des catégories est amené dans une culture de l'agone, c'est-à-dire de la rivalité des points de vue, de la compétition, parce que la compétition en Grèce est à tous égards. Elle est dans les sports, elle est à l'agora, elle est dans la lutte pour le prestige, etc. L'agone est le propre de cette culture, la rivalité, etc. Et donc, ce qui est remarquable, c'est qu'on ait une réflexion politique qui s'en est suivie avec des contestataires, des opposants à la démocratie. Vous savez, Michel Narcy, un collègue en France, avait fait cette boutade, si vous voulez. Il disait, on parle toujours que les Grecs ont inventé la philosophie et la démocratie, mais on oublie de dire que ce n'est pas les mêmes qui ont inventé l'une et l'autre. Parce qu'on sait très bien qu'il y a tout un courant philosophique archi-antidémocratique. Donc, ce n'est pas les mêmes. Okay? Mais, et c'est vrai ce qu'il dit. Mais il reste que cette réflexion démocratique, même chez Platon, qui est un ennemi de la démocratie, mais il a des arguments quand même. Et ça, on ne le trouve pas ailleurs. C'est même chose quand on oppose la dialectique indienne, par exemple, au processus dialectique qu'on trouve en Grèce, c'est la question de l'argumentation qui fait peut-être plus défaut ailleurs et qui singularise l'expérience grecque. Ah! Moi, c'est un détail, c'est que vous avez parlé des aèdes, le rôle des aèdes, on connaît Homère. Quand j'étudiais au collège classique, notre professeur n'était pas capable d'expliquer ce que les aèdes faisaient avant Homère. Alors, je me le sens, vous entendre là-dessus, parce que c'est quand même la mémoire collective, hein, oui, bien sûr, qui est transmise oralement pendant très longtemps. Bien sûr. Il nous donnait un exemple canadien. Luc Lacourcière répertoriait des centaines de chansons chez les paysans, les cultivateurs, les habitants. Et on a découvert des chansons qui étaient des restes de chansons gauloises qui avaient disparu dans certaines régions en France, mais qui survivaient ici. Alors, les Zaëbs, c'est un peu la même chose. Oui, oui, oui. J'aimerais ça vous entendre. Oui. Ben, une mère, Homère, c'est une compilation. D'abord, on n'est pas sûr qu'Homère ait existé. Okay? Et d'une part, d'autre part, quand on compare l'Iliade et l'Odyssée, les deux récits sont tellement différents qu'on se demande si ça peut être la même personne qui a écrit ça. Okay? Un des récits est toujours dans le même lieu, avec 3 étages de narration. L'autre est toujours dans l'espace. Okay? C'est vraiment, ce sont des histoires extrêmement différentes. Homère, c'est simplement le nom donné à un héritage de rhapsodes qui récitait des histoires mythiques qui est comme la mémoire collective et l'expérience collective des Grecs. C'est pas plus que ça. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est le génie littéraire du texte homérique, qui est vraiment remarquable. Je lisais d'un auteur américain, il y a quelques années, Christopher Lowe, si je me souviens bien, qui s'appelle Sur Homère et je n'ai pas le titre exact en tête, mais c'est « The Invention of Western Narrative ». Homère est l'invention de la narrativité grecque. Et ça, c'est très important. Le fait qu'il y ait dans l'Iliade un récit à multiples entrées et comme une symphonie entre Zeus qui regarde la scène de haut avec les autres dieux, les acteurs qui sont dans la plaine, les commentaires du narrateur, etc. C'est d'une complexité extraordinaire, ce texte, sur le plan littéraire. Et lui, sa thèse, c'était que, au fond, l'héritage grec, c'était avant tout un héritage de narrativité. C'est-à-dire raconter des histoires, d'histoires, d'histoires, etc. Comme chez Homère. Et puis quand on arrive à l'Odyssée, eh bien c'est pareil, on a un texte extrêmement éclaté cette fois-là. On peut prendre l'exemple aussi d'Ulysse, inventaire du mensonge, et du mensonge des poètes, hein, et de la liberté poétique qui est très importante. Donc tout ça, c'est d'autres pistes là, que je n'ai pas du tout évoquées, mais donc oui, bien sûr, Homère, c'est une épithète hein, donnée à un texte finalement, parce qu'on ne connaît pas le personnage. Et puis, sur les Aèdes en général, avez-vous... c'est une tradition orale, tout simplement. Il y avait monsieur, le passager. J'avais une question en 2 points. J'avais lu, ça fait quelques années, je pense, un livre de Lipset sur le middling man, justement, oui. Le political man, où dans Aristote, directement, il en parle que, justement, cet homme qui a une petite propriété, etc., il est habitué, dans ses mœurs, d'être gouverné et de gouverner à son tour. Oui. Ça ne le dérange pas énormément d'être dans une ou l'autre position, oui. Il est capable, tandis que la personne très puissante, très riche, a beaucoup de misère à accepter d'être gouverné et inversement la personne qui est toujours en bas. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, Aristote en parle beaucoup et ça revient dans la sociologie politique du XXe siècle, oui. Comme quoi lorsqu'on retombe dans ces formes d'inégalité extrême, le middling man disparaît, même s'il y a des auteurs, il y a des gens comme Chris Hedges qui est The Death of the Liberal Class et tout ça qui parle de, bon, quand il va se créer une super élite en haut et une vaste majorité de gens en bas, la démocratie va est vouée à sa perte. Et l'autre question, c'est au niveau des idées. Je suis en train de relire Karl Polanyi, qui a beaucoup écrit sur les Grecs et tout ça, et ce que j'ai trouvé fascinant dans un livre que je suis censé recenser, c'est qu'il parle au 20e siècle, les débats autour du socialisme, il dit « Tout le monde est intéressé sur comment organiser les institutions pour changer la répartition des richesses, etc. Et qu'on refuse d'avoir un débat sur la valeur des idées elles-mêmes. Donc, ça m'a fait penser à votre débat sur Mogens Hansen et l'autre c'était Morris ou... Yann Morris, oui. Oui, sur en fait quel poids accorder aux idées elles-mêmes, indépendamment de leurs origines qui peuvent être parfois mystérieuses ou sociologiquement difficiles à expliquer. Vous, vous vous situez où dans ce débat-là versus, parce que chez Polanyi c'est très compliqué, c'est un peu un débat de poule ou d'œuf. Est-ce que c'est les institutions qui vont permettre, pour lui c'est dans les débats pour le socialisme, à créer une nouvelle société, ou c'est d'abord des nouvelles idées qui doivent être acceptées par une grande majorité de gens qui permettront aux institutions d'avoir un changement? Vous faites exprès de me poser des questions très difficiles. Concernant le Mid-Ligman et l'alternance de gouverner et d'être gouverné, ça, je trouve, c'est très très fort chez Aristote, cette affaire-là, parce qu'au fond, moi je trouve que le plus grand génie d'analyse d'Aristote dans les politiques, c'est quand il dit qu'au fond, tous les régimes politiques sont illégitimes. Que ce soit la royauté, que ce soit l'oligarchie ou l'aristocratie, tous sont illégitimes, en fait. Okay. Et ce qu'il faudrait, c'est que tous soient en même temps gouvernants et gouvernés. Mais ce n'est pas possible. D'accord? Mais ce serait ça qu'il faudrait. Et comme on ne peut pas faire ça, la meilleure alternative, le meilleur second best, c'est que tous soient gouvernants et gouvernés à tour de rôle. Et ça, c'est la rotation démocratique, si vous voulez. Okay? Et effectivement, en ce sens-là, Aristote dit que le renversement de la démocratie en son contraire, parce que pour lui, la démocratie, c'est pas forcément un bon nom, c'est la politeia. Hein? La politeia, c'est le gouvernement du peuple dans le bon sens, puis la démocratie, ce serait le gouvernement du peuple dans le mauvais sens, si vous voulez, c'est-à-dire privilégiant certains. Mais au fond, il dit le renversement de l'un par l'autre est faible, a peu de conséquences. Comprenez-vous? C'est-à-dire que quand tu as un bon roi, c'est pas si pire. Mais quand ce roi se transforme en tyran, il n'y a rien de pire. D'accord? Quand tu as une aristocratie, c'est pas si pire. Mais quand elle se transforme en oligarchie, c'est pas drôle. Les extrêmes sont plus grands. Tandis que la politeia et les démocraties, quand elles se renversent l'une dans l'autre, c'est à peine perceptible. Pourquoi? Parce que l'écart entre le gouvernant et le gouverné est faible. Donc, que tu passes de l'état de gouvernant à l'état de gouverné, c'est pas si terrible à cause de cette proximité. Et ce qui renvoie à ce que vous disiez, c'est que les aristocrates, eux, ils n'aiment pas perdre le pouvoir. Ça, c'est certain. Parce que le renversement de leur pouvoir par un tyran ou par une clique oligarchique a des conséquences extrêmement néfastes. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est pour ça. Et concernant les idées, c'est ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un autre point qui est intéressant, c'est que quand on compare Athènes et Sparte, Sparte est une société militaire et une sorte de grosse garnison et où on méprisait les arts et la culture par opposition à Athènes où on les chérissait. Et Aristote et d'autres auteurs disent que justement en régime démocratique athénien, on peut s'occuper d'autre chose que de la guerre. Et je donne un exemple. Justement, c'est la scolée, c'est-à-dire la scolée qui a donné l'école en français, la scolée, c'est-à-dire l'activité studieuse libre. Si vous avez envie de faire de la musique, de vous intéresser à l'astronomie ou peu importe, eh bien, l'activité studieuse libre, c'est ça la scolée. Eh bien, Aristote dit, justement, quand on est libéré des tâches politiques, on peut se livrer à ce genre d'activité. Et puis aussi, un autre point, Kurt Rafflaub est venu à l'Université Laval il y a 3 ou 4 ans pour une conférence sur la paix. Et il disait que nous avons des textes grecs issus d'Athènes qui font l'éloge de la paix, de la vie dans la paix. Et ça, c'est très très rare, parce que toutes les sociétés antiques sont guerrières. Toutes les sociétés sont guerrières, de toute façon. Et le mot grec pour ancien, pour la paix... Hein? Irénée. Et donc ça c'est remarquable. Chez Isocrate, nous avons des discours pour la paix, où on dit « vaut mieux vivre dans la paix ». Pour faire quoi? Eh bien la scolie, c'est-à-dire se livrer quand on peut à des activités libres. Je vais intervenir après ça, je te donnerai la parole, Gilles. J'ai une remarque très générale qui est en fait une question qu'on pose de manière récurrente au collectif, puis que votre présentation et votre ouvrage aussi, disons, remet au jeu. Puis j'ai une question qui est afférente à cette remarque-là. La première, c'est en faisant un peu un pas de recul vis-à-vis de l'ambition qui est derrière votre programme de recherche ou la réflexion d'ensemble qui vise à recomposer le lien ou en tout cas l'héritage du monde grec dans le monde moderne. Et vous dites, un des éléments qu'on a sous-estimé dans l'héritage grec du monde moderne, c'est l'existence de la liberté négative. Oui. Puis vous dites avec raison que pendant plusieurs siècles, on a affirmé que le fondement de la liberté négative était ultimement une invention moderne et qui ne se retrouvait pas dans la belle totalité grecque où il y avait une domination du collectif sur l'individu. Oui. Bon. Oui. Puis avec raison, vous soulevez... à travers les propos épigraphiques. Et, on pourrait recomposer à travers aussi les poètes, vous le faites très bien, l'existence de cette liberté négative. Mais il me semble d'une part que chez les Grecs, vous me direz si je me trompe, il me semble d'une part que dans la Grèce classique, l'existence de la liberté négative était d'abord instituée par le collectif, c'est-à-dire c'était... Vous l'avez dit tout à l'heure un peu, c'était d'abord la liberté des citoyens avant d'être la liberté de l'homme. Et donc, il y avait une... Disons, le lien était absolument clair. L'existence de la liberté individuelle comme capacité de retrait de la société, elle était... Cette capacité-là était absolument... C'était clair que c'était dépendant de la cité. Mm-hmm. C'était le geste de la cité que de laisser aux individus la capacité de se retirer dans son écosse. Oui. Et que, par exemple, quand Socrate commence à dire « je remets en question les croyances de la cité », ben Socrate sait qu'il s'expose à un certain nombre de problèmes, dont le fait d'être banni à vie ou de boire la ciguë. Puis on sait que c'est sous le mode tragique que va se terminer cette contradiction-là entre le daimon ou la capacité subjective de s'extraire de la vie collective, en sachant qu'il est dans son droit de le faire, mais en sachant très bien qu'il ne peut le faire qu'en étant toujours sous la dépendance du collectif. Bon. Quand arrive dans le monde moderne, vous avez nommé tout à l'heure, je pense que c'était Constant qui faisait remonter chez Hobbes, disons, la première théorie politique d'existence du droit négatif. Berlin. C'est peut-être pas tant... l'aboutissement d'une même tradition de pensée ou d'une même tradition pratique de reconnaître aux personnes une capacité de retrait que le début de quelque chose d'autre, qui serait la capacité de se retirer du collectif sans savoir que cette capacité-là est tributaire de l'intérêt général ou de la loi de pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Qu'on naturalise cette capacité de se retirer de la société politique, que les institutions, en particulier dans le monde anglo-saxon, vont être explicitement tournées sur la naturalisation de cette capacité de se retirer de la société. Et donc là, on ne serait peut-être pas tant dans la continuité avec le monde grec, où au fond, on savait que la capacité de se retirer de la police était l'acte de la police. Alors que là, dans le monde moderne, arrive à un certain moment, puis je pense qu'il y a une tension dans le monde moderne, une dialectique entre est-ce que le droit de se retirer, le droit de propriété privée et de s'extraire de la vie sociale est nécessairement dû à des institutions, mais ces institutions-là, est-ce qu'elles explicitent le principe par lequel l'extraction est possible ou au contraire, elles le naturalisent? On va dire le monde continental, la modernité continentale versus la modernité anglaise. Donc, en fait, à la lecture de l'ouvrage puis à votre présentation, je sentais qu'il y avait une sorte de... le côté tragique de cette cohabitation-là entre liberté négative et liberté positive dans le monde grec, était un peu évacuée et que cette relecture-là, qui situe l'existence d'une liberté négative dans le monde grec, rejaillissait sur la manière dont on pouvait lire le monde moderne aujourd'hui. De là ma question, quand vous faites référence à l'Open Society, ça fait référence évidemment à un certain courant de pensée où les institutions précisément doivent être maintenues pour la capacité qu'elles ont de donner le maximum de liberté négative aux individus. Je voudrais juste savoir l'ambition que vous avez dans la réflexion générale de cette... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, en 2017, là, c'est quoi le problème que vous voulez thématiser à travers ça? C'est des grosses questions, quand vous parlez. Mais c'est parce que vous l'avez cherché, parce que vous touchez des gros thèmes. Si vous voulez, il y a une tradition européenne qui est de plus en plus sur le devant de la scène, je dirais depuis une trentaine d'années, et qui, vous avez sûrement vu ça dans les journaux, dans les journaux télévisés, dans les reportages et dans les documentaires, etc., sur la référence à l'origine chrétienne de l'Europe. C'est devenu un discours très en vogue. Et donc, l'idée que la tradition occidentale, européenne, et donc par extension nord-américaine, etc., était un héritage judo-chrétien. Et moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est un héritage grec, pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup de contradicteurs là-dessus et d'ennemis potentiels, là, on pourrait dire. De toute façon, on peut discuter. Absolument. Ça ne veut pas dire que... C'est grec. Exactement. Ça ne veut pas dire que... C'est pas le parent grec. Ça veut pas... Donc, je n'exclus pas qu'il y ait un apport judéo-chrétien, ok? Mais je pars d'une certaine hypothèse. C'est que, si vous voulez, le point d'Archimède que moi je cherche à situer, c'est la Grèce. C'est, pardon? C'est la Grèce. Okay, le point de levier, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, dans toute la tradition occidentale et au-delà, y compris en islam, il y a eu toujours une habitude et une tradition de relire les textes graphiques. La tradition judéo-chrétienne n'a jamais été seule par elle-même, elle a toujours été en train de lire les Grecs. Et c'est le cas déjà chez les premiers pères de l'Église, okay? Les premiers commentateurs. C'était déjà le cas même avant les chrétiens chez Philon d'Alexandrie, qui commentait les Grecs. Donc cette tradition du commentaire grec fait que pour moi, la tradition judéo-chrétienne vue comme étant une tradition isolée, est une lubie. Elle n'a jamais existé. Okay? Et puis, dans tout le Moyen-Âge, quand les bons pères en avaient marre de se répéter la révélation, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient lire les Grecs. Ils allaient lire les tragiques. Ils allaient lire les comiques. Ils allaient lire Homère, etc. Cet accompagnement n'a presque pas eu d'opposition. Bien sûr, il y a eu des époques plus graécophobes, puis d'autres plus graécophiles. Il y a eu des tendances, etc. Mais dans l'ensemble, ça n'a jamais cessé. Okay? Et donc, pour moi, c'est un fait objectif, ça. Quand quelqu'un comme Marcel Gauchet nous parle de la découverte de la liberté à la fin du Moyen-Âge, etc., mais Marcel Gauchet, il ne comprend rien au grec. Il ne connaît rien aux Grecs, et on dirait qu'il n'a pas conscience que les auteurs qu'il cite lisaient les Grecs. Sans arrêt. Si vous allez voir Machiavel, Hobbes, il a sur sa table de travail les politiques d'Aristote et la République de Platon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Machiavel connaît par cœur Aristote. Okay? Donc cette réflexion est constante. Ça, c'est un fait indéniable. Je ne vais même pas discuter ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne vais même pas discuter ça. Donc pour moi, la tradition judéo-chrétienne conçu comme un vase clos est une fiction, n'a jamais existé. Ça, c'est le premier point. L'autre affaire, c'est que, les Grecs ont aussi alimenté l'islam. Nous savons qu'il y a eu un islam des Lumières, à travers Averroès, Al-Farabi, etc., et que même les Arabes nous ont transmis des textes grecs, ils nous ont reconnectés avec la tradition grecque. Et l'effet critique grec a été si fort que quand il a été transmis aux Arabes, puis retransmis à nous, cela a induit dans la tradition occidentale une nouvelle direction critique qui n'existait pas auparavant. Donc, ce réflexe critique, cette distanciation critique, pour moi, c'est ça l'héritage grec. C'est pour ça que quand on me dit « oui, mais la démocratie grecque n'avait pas ceci, n'avait pas cela », ça tombe sur moi comme l'eau sur le dos d'un canard. Je nie pas le fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, la dynamicité qui s'en est suivie et qui nous a fait et qui continue à nous faire, et que je souhaite simplement qu'elle se prolonge. Comprenez-vous? Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu non seulement philosophique et historique, mais stratégique et politique. Et ça, cette occultation, elle est très forte. Il y a environ 6 mois, il y a eu une altercation de Madame Morano, qui est du Parti des Républicains en France, etc., de toute une histoire. Et puis, elle avait cité De Gaulle en disant que, vous vous souvenez de cette affaire, ça fait à peu près 1 an. Et puis, elle avait cité De Gaulle en disant que, oui, De Gaulle avait dit que l'Europe était chrétienne. Un truc comme ça. Et moi, je suis allé voir le passage chez De Gaulle. Et c'est pas ça qu'il dit, De Gaulle. De Gaulle, il dit « L'Europe est de confession chrétienne, mais de tradition gréco-romaine. » Et ça, il ne l'a pas cité. Eh bien, De Gaulle, il est moins bête qu'elle. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il avait encore conscience de ça. Donc, alors, c'est ça. Il y a un aspect stratégique pour moi. Dans le contexte où vous sentez que les lumières s'éteignent? Ah, complètement. Enfin, complètement, j'espère, pas complètement. Non, je comprends. Mais j'ai complètement ce sentiment. Oui. J'ai cette inquiétude et je me dis, si on met le phare sur la Grèce, on met le phare sur nos vraies origines, sur quelque chose qui est ouvert et qui est fédérateur, y compris pour l'islam, pour nous, comme pour la judéité, vous comprenez? Absolument. Et ça change complètement. C'est un point focal à travers lequel on peut se retrouver. Jean-François. S'il y a quelqu'un qui a pas déjà... Non, mais il ne faut pas s'étirer ici, parce que quand on s'étire, on pense qu'on a des droits de parole. 200. Mais juste pour relancer sur le sujet, on peut être tout à fait d'accord avec vous, par exemple, puis on l'est. Je vous dis, moi, je suis. Mais je dis, on l'achète souvent discuter dans ce sens-là. La modernité, c'est pas une période temporelle, c'est pas un régime politique. La modernité a un fondement dans l'Antiquité gréco-romaine, très clairement, une première lancée. Puis vous avez bien situé, c'est un mode de production de la société, vous l'avez bien situé, qui est basé sur la critique de la tradition. Oui. Bon. Alors, on est d'accord avec les gens qui disent la modernité, pas telle date de choses comme ça, ou un régime. Mais donc, vous avez raison de dire, de pas faire le lien entre la modernité occidentale et la première modernité grecque. Mais ça ne veut pas dire que le concept de la liberté, vous avez vu, toute mon affaire s'est passée sur la réflexion sur la liberté, que le concept ou la pratique ou la réalité de la liberté dans l'une et l'autre modernité, c'est-à-dire dans son berceau et dans son déploiement, qu'il y a soit de l'influence directe sur les deux aspects de la liberté négative, on va retrouver, et donc comme il y a une lecture, comme il y a un accompagnement, comme il y a un constant retour, depuis la Renaissance, tout le monde s'est mis à parler grec, on a oublié le latin quasiment, puis on s'est remis au grec, etc. Comme il y a tout ce lien direct, etc., par-dessus la tête du christianisme, mais le christianisme n'est pas séparé de la la première modernité gréco-romaine. Il est sceptique, comment on appelle, en fait, le christianisme a des racines gréco-romaines. Bon, mais ceci dit, une fois qu'on vous suit jusque-là, très bien, mais montrer que le principe de la liberté, comme il émerge dans la première modernité, est tout à fait conforme ou congruent ou déjà là, ce qu'on va appeler dans la modernité la liberté individuelle, vous avez l'air de trouver naturel toutes les acceptions de liberté et l'accoler avec le principe de liberté individuelle. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez cité quelqu'un tout à l'heure, c'est très bien dit. Nous, les Grecs, nous avons la liberté en partage. Oui. Ben là, c'est quoi ça? La liberté en partage. Moi, ma chemise, on ne l'a pas en partage. Donc, continuez-vous, mais on peut faire ce qu'on veut. Ben oui, il y a un domaine d'indifférence à la société. On peut tenir sa procédure d'une même chose. Le domaine d'indifférence de la société est toujours très grand. Il y a un grand domaine, quelle que soit la société, il y a un grand domaine de « on s'en balance », comment tu le fais. Donc, que le grec valorise ça. Nous avons la liberté en partage. Ça veut dire, quand il s'agit de monter au front pour défendre le fait qu'on n'est pas des esclaves de personne, oui, c'est ça la liberté. Oui. Donc on est des soldats de l'existence du collectif en tant qu'il n'est pas servi. Oui. Nous avons la liberté en partage et d'autre part, en fin de semaine puis dans les temps de paix, on fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est le principe de la liberté individuelle que vont naturaliser les modernes, qui vont faire non seulement dépendre, François disait, le retrait du sujet est une concession de la liberté collective chez les Grecs. Les modernes vont dire non, non, la société est une création de la liberté individuelle. Attends, c'est pas mal différent, là. La fondation est tout à fait à l'autre bout. Et la société est à peine tolérable dans certaines conceptions de la liberté individuelle. Ici, on peut être d'accord qu'il s'agit dans les deux cas de la modernité, on peut être d'accord qu'il n'y a pas deux origines dans la civilisation où on est, l'origine judéo-chrétienne et l'origine gréco-romaine. Et on peut être d'accord que modernité et modernité sont reprises, un retravail, une influence, un retour, etc. Mais, ça n'exclut pas que les modernes aient inventé quelque chose en matière de liberté, pour dire ça comme ça, qui a inventé une conception de la liberté individuelle, qui est de notre saveur, pour dire ça comme ça. C'est oui, ça que... Oui. Donc, oui. Le projet qui est le vôtre, Open Society, Popper, ou je ne sais pas quoi, là, c'est peut-être un peu fort, on pourrait penser, de dire non, 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 ça c'était déjà là. Mais je dis pas ça. Ah, ok. Non, non, non. Je dis pas ça. Je dis pas qu'on n'a rien inventé, okay, et que la liberté moderne et individuelle est à tous égards comparable à la liberté individuelle grecque. Je dis pas ça. Je dis non, mais je dis qu'il y a une sorte de continuum et qu'il y a là des prémices de ce qui se bat se développer et s'accentuer, et que la liberté individuelle moderne à dépasser les prémices grecques, c'est très certain. Ah non, non, mais... okay. Ah, mais c'est... Comment posez-vous la différence alors? Ben, c'est parce que, si vous voulez, dans la modernité, de toute façon, ça dépend des auteurs. Hein? Hein? Ouh, que... hein? Vous? Non, mais moi, le plus loin qu'on peut aller chez les Grecs, d'accord? C'est le fait de dire que... Bon, vous savez, il y a cette phrase fameuse chez Aristote où tous appartiennent à la cité. OK? Mais qui est très mal interprétée, à mon avis. Quand Aristote dit ça, il veut juste dire que ma survie à moi passe par la cité. Et ça, c'est un fait. OK? Le langage nous est transmis par nos aïeux et par la vie sociale. Hein? La culture, la capacité à apprendre, etc. Donc, il n'y a pas de robinsonnade possible, il n'y a pas de vie isolée, ça c'est une fiction. Okay? Donc, sur ce plan-là, je ne sais pas ce que le moderne dirait, mais on est tous de parents dans une certaine culture, dans un certain complexe social. D'accord? Au fond, c'est ce qu'il dit Aristote quand il dit ça, tous pour la cité, il veut dire que même notre localisation individuelle est inscrite au départ dans la cité, et c'est d'elle aussi qu'on obtient la culture, le langage, la capacité symbolique, etc. Mais quand Aristote s'oppose à Platon sur la question de l'unité de la cité, il est très clair sur le fait de dire que l'unité d'une famille, l'unité d'un individu et l'unité d'une cité, ce n'est pas la même unité. Et il va dire l'unité est un pollakos légoménon, c'est-à-dire quelque chose qui se dit de manière multiple. Et c'est un paralogisme de faire passer une unité pour l'autre. D'accord? Et donc, on ne peut pas comparer l'unité de la cité à l'unité d'un organisme. Okay? Donc, c'est quand même fort de dire que, et pour lui, l'unité absolue, première, c'est celle d'une substance individuelle. C'est vous, c'est moi. C'est la plus forte unité pour Aristote. D'accord? Donc, quand il dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas compresser les individus dans une unité organique. Ce que tente de faire Platon selon lui. D'accord? Et c'est là qu'il parle par... Donc, il a une sorte de blague, si vous voulez, de pirouette, où il dit, Aristote, il dit... l'unité de la cité, c'est pas comme les chiffres, pairs et impairs. C'est-à-dire que si pour être heureux, il faut que tu arrives à un chiffre pair ou impair, peu importe, tu peux pas dire que les composants soient pairs ou impairs n'a pas d'importance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que si les chiffres qui composent la somme ne sont pas heureux, tu peux pas dire la cité heureuse. Comprenez-vous? Donc, si, je ne sais pas, 3 et 2 font 5, et que le bonheur, c'est dans le nombre impair, mais tu ne peux pas dire celui qui s'appelle 2, tant pis pour lui. Et c'est ce qui répond à Platon. Donc, il y a là quand même une conception très fluide de l'unité qui fait qu'il faut l'adapter aux individus, etc. Et il y a aussi cette idée très forte que tu ne peux pas créer le bonheur de la cité au détriment du bonheur du chiffre 2. OK? Bon, dire ça... je vous l'accorde, ce n'est pas aller aussi loin que des auteurs modernes qui vont dire que l'individu est premier, naturalisé, etc., et qu'il a une indépendance autonome, qu'il concède sa liberté à la société ou à l'espace public. Non, je ne vois pas d'auteur grec qui dirait ça. Est-ce qu'il serait banni? Non, il ne serait pas banni. Il ne serait pas banni. Non, non, il ne serait pas banni. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Il y avait des athées grecs qui n'étaient pas bannis. Vous m'avez mis sur la piste de Socrate, mais Socrate, c'est une très mauvaise piste. Il y avait des crimes plus graves que penser librement. Ah, complètement, complètement. Socrate, c'est une affaire politicienne. Non, je le soulevais pour la contradiction. Non, non, je sais bien, mais c'est une affaire complètement politicienne. Georges Grotte, l'historien anglais du 19e siècle, disait, de la Grèce, disait... il disait, il ne faut pas, parce que c'est tellement fréquent qu'on a condamné Athènes à cause de la condamnation de Socrate. Hein? Et lui disait, il ne faut pas condamner Athènes pour la condamnation de Socrate, il faut encenser Athènes d'avoir supporté Socrate, contempteur de la société démocratique pendant des décennies. C'est délicieux. Complètement. Jean-François. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Parle fort. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la racine chrétienne ou grecque de l'Europe, parce que moi qui ai beaucoup lu Hegel, l'Aristote des temps modernes, mais qui lui insiste beaucoup sur la double racine, puis là, après ça, de savoir laquelle des deux prédomine. Là, je vois que vous avez fait un choix. Mais je suis apporté à dire que politiquement, aujourd'hui, effectivement, le principe grec est nécessaire, il vient à la rescousse. Mais en même temps, je voudrais revenir à cette idée, parce que vous avez, quand vous avez parlé de Machiavel, des intellectuels, dans le fond, vous avez parlé des intellectuels européens qui, depuis le début du christianisme, vont toujours lire des auteurs grecs, des pères de l'Église, puis ensuite ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais la question d'ailleurs qui a été abordée sur l'universalisme chrétien, quel l'universalisme moderne en est la sécularisation, bien, il faut voir ici quelque chose, c'est que là on oppose une religion à une pensée philosophique. Moi, j'ai peur que votre point de vue que vous avez développé tombe dans ce que Bourdieu appelle l'erreur scolastique. C'est-à-dire que là, nous, entre nous, ici, on est tous intellectuels dans une université. Mais quand on regarde la question sociologiquement, quand on lit Hegel ou quand on lit Durkheim, on se rend compte que les sociétés ne carburent pas la philosophie. Ce sont les intellectuels qui carburent à ça. Les sociétés carburent à la religion. C'est d'ailleurs le drame de Durkheim, c'est un athée manifestement qui se rend compte que les sociétés tiennent par la religion à la fin de sa vie. Puis, il faut qu'il découvre dans la modernité la religion de l'individu, qui est d'ailleurs une chose qu'on sent, nous on sent le christianisme assez profond, même si on est en République révolutionnaire française. Mais c'est simplement ici de dire qu'on est... Politiquement, je suis d'accord que peut-être le principe grec est fédérateur, parce qu'il y a eu l'islam grec, mais en même temps, comme le dit Stéphane, le christianisme, c'est l'universalisme. Je pense que là, l'universalisme, même si les modernes ont eu des esclaves, même si les femmes ont eu le droit de vote tardivement, en postulant l'universalisme comme le fondement des institutions, on peut dire que l'esclavage puis la misogynie était critiqué, et, disons, dans le processus même de réalisation des institutions modernes, même s'il y a eu un décalage de 200-300 ans avant que ça soit réalisé. Là, on peut dire que l'universalisme chrétien est très fédérateur aussi, même si pour le devenir, il doit se laïciser. Parce que c'est sûr que là, avec les problématiques qu'on voit en Europe, avec l'islam, puis ici aussi, c'est vraiment problématique de se cramponner sur l'héritage chrétien de l'Europe puis s'opposer aux musulmans. Mais moi, donc ma question ici, c'est aussi de voir, par exemple, quand on regarde la réforme protestante, parce que pour les protestants, le catholicisme, c'était un christianisme contaminé par les Grecs. Là, c'est pas la belle philosophie grecque, là, c'est la hiérarchie du cosmos, puis c'est le monde clos, puis dans le fond, les protestants, eux, ils ont revalorisé le côté, la négativité chrétienne, dirait Hegel. Là, ils ont décidé que là, ils allaient faire une religion plus rationnelle et plus universelle que le catholicisme. Donc, c'est pour ça que le principe chrétien, c'est... moi, je trouve qu'en ce cas, il faut bien mesurer le christianisme dans autre chose que d'y voir là, les problèmes politiques actuels qu'il y a en Europe. Mais mon problème, moi, donc, en tant que sociologue, c'est justement de dire qu'il faut favoriser le principe grec, qu'il n'y a pas quelque chose d'élitiste, parce que vous êtes en train de nous dire, mais peut-être que c'est ça, parce que la scolée, peut-être que dans le fond, vous êtes en train de dire la scolée doit se démocratiser, mais actuellement, ce qu'on a pu voir dans l'histoire de l'Europe, c'est que la scolée, c'est le privilège d'une minorité, puis, alors que le christianisme, hein, comme on va dire, c'est du platonicisme pour les masses. C'est-à-dire que Jésus a réussi là où Socrate a failli, c'est-à-dire en s'universalisant. Puis là, on peut dire que là, tout à coup, sociologiquement, en tout cas, il y a peut-être, mais moi, je ne m'interdis pas à l'idée de dire qu'il faudrait faire plus de philosophie puis moins de prière. Mais c'est juste que je me dis, est-ce que c'est réaliste sociologiquement de penser ça? Ça prend-tu un système d'éducation? D'une part, l'universalisme n'est pas le monopole du christianisme. Okay? Il y a, avant le christianisme, un universalisme stoïcien qui est très affirmé et qui est très net. Déjà Sénèque dit « l'homme est une chose sacrée pour l'homme ». Il n'y a pas eu besoin des chrétiens. Et beaucoup des valeurs qu'on pense être chrétiennes étaient déjà païennes, la charité y compris. Okay? Donc, il y a beaucoup de mystification à cet égard, hein, carrément, et d'ignorance. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je ne fais pas un combat anti-judéo-christianisme en tant que tel. Comprenez-vous ce que je dis? Je dis qu'il y a un accompagnement de la tradition grecque qui s'est fait dans cette tradition dans laquelle elle a beaucoup puisé et dans lequel on doit continuer à puiser. D'accord? Pour ce qui est du protestantisme, je ne suis pas sûr qu'on ait la même lecture de la naissance du protestantisme, mais qui est un retour plutôt à la simplification et à du message de la révélation. Et cette simplification, cette complexité dont on s'est départi, elle n'était pas grecque, c'est la curie romaine. Je ne sais pas à quoi vous faites référence exactement, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il est certain que la religion, je ne suis pas comme tel. Quand j'ai dit que je voulais retrouver un point d'Archimède plus ancien que la tradition judéo-chrétienne, et c'est que je pense que sa source est plus ancienne qu'elle-même. Ce qui a fait peut-être le miracle, si on veut, de la tradition occidentale, c'est cette structure à double fond. Okay? C'est-à-dire que, vous connaissez l'hypothèse de Rémi Braille, qu'on peut contester par ailleurs, hein? C'est-à-dire que le christianisme est une religion de bâtards. Pourquoi? Parce que être chrétien, c'est se rapporter à une autre religion qui est le judaïsme, et être romain, c'est être bâtard par rapport aux Grecs. Les Romains disaient, on est des imbéciles, mais on se met à l'école des Grecs et on s'améliore. Et les chrétiens disaient, on n'a pas de religion, on n'a même pas de Dieu, Dieu il parle même pas dans notre langue, mais on va essayer de l'adapter, etc. Et Brague a raison, à mon avis, de parler d'une dénivellation fondatrice. C'est-à-dire que le plan incliné qui fait que, au fond, c'est le bâtard qui réussit le mieux. Et le christianisme, c'est une religion de bâtard. Mais ça, c'est littéral. Je veux dire, j'y peux rien. C'est dans les textes. Et donc, tout ça. Alors, je suis assez d'accord avec sa thèse. Simplement, moi, je mets plus l'accent sur l'apport grec que lui. Et je crois que... Vous savez, je pourrais vous donner un exemple. Pierre Bayle, le protestant, justement, lui, quand il lit les textes grecs, il dit, pour lui, la modernité, c'est comme ce qu'il le dit, commence avec la découverte de Sextus Empiricus. Vous vous rendez compte? La découverte de Sextus Empiricus, la tradition sceptique grecque. C'est très fort, ça. Pourquoi? C'est-à-dire que cette redécouverte de la critique, il fait correspondre avec la découverte, le départ de la modernité. Donc, je pense que pour éviter que l'islam, que le christianisme et que le judaïsme se referment sur eux-mêmes, il faut garder leur rapport ouvert à la Grèce. C'est comme ça que je formulerai peut-être la chose. Il faut garder cette structure à double fond et cette situation de guingois, en quelque sorte, entre les deux. Et donc, cette tradition grecque critique nous protège peut-être en partie de l'aplatissement contre la réalité. Parce que sinon, toutes les religions sont obsessives, par définition, et envahissantes. Les Grecs tempèrent. Et c'est ça que je veux préserver. Je vais prendre deux dernières questions. En fait, c'est les deux derniers relevés. Jean-François, après Sokrates. Merci. J'ai beaucoup aimé votre présentation. C'est vraiment très intéressant. Je l'ai entendu encore plus longtemps, en fait. Je pense que c'est ce que je vais vous inviter à faire dans la question que je vais poser. De beaucoup d'aspects, vous avez pris quand même pas mal de temps à introduire votre propos avec, disons, des détails qui ne sont pas nécessairement revenus par la suite quand vous êtes concentré sur le fil de votre argumentation. Mais dans l'introduction, vous avez justement donné un aperçu de, on pourrait dire, d'une espèce d'éthos grec, qui est quand même assez intéressant à plusieurs égards, notamment justement sur la question de la manière d'être à l'intérieur de la cité grecque. Vous avez aussi fait attention à la référence, mais de manière assez allusive, en fait, à un passage des Suppliantes. C'est là-dessus que je voudrais revenir, en fait, sur la question du théâtre. Parce que quand vous parlez justement d'une critique de la tradition qui met en scène l'apparition de la nouveauté, bien évidemment, on pense spontanément au théâtre. En tout cas, moi, j'y ai pensé spontanément. Comme disait Jacqueline de Romilly, l'épopée racontait, le théâtre montrant. La fonction, toute sa réflexion sur le théâtre, en fait, c'est justement de dire que la technicalité mise de l'avant par la représentation théâtrale de mettre sous les yeux, faisait en sorte justement de rendre la narration homérique, par exemple, superflue, justement parce qu'on était beaucoup plus efficace pour rassembler la cité autour d'une histoire qui pouvait être montrée de cette façon-là. Donc on comprend assez bien l'objet mystérieux de cette façon-là comme une exigence, un passage en fait, d'une exigence de cérémonial religieux à un cérémonial civique. Le passage est extrêmement important, extrêmement significatif aussi pour la compréhension à la fois de ce que signifie le théâtre comme, pas comme invention grecque, parce qu'on peut dire la théâtralité, il y en a eu dans toutes les sociétés, il y en avait ici chez les Hurons, on voit ça dans le passage, dans un passage des relations des Jésuites en 1631 sur les bords du lac Huron, représentation théâtrale. Mais ce qui était représenté, justement, c'était d'un autre ordre que ce qui est représenté avec l'apparition du théâtre en Grèce et, en particulier, évidemment, aussi avec l'invention de la tragédie. Oui. C'est là-dessus que je voudrais vous entendre un peu, c'est-à-dire qu'on voit dans la progression donc, du théâtre grec, de Euripide à Eschyle à Sokrates, en fait, justement, une évolution de la forme qui voit se résorber graduellement le cœur et s'affirmer certaines individualités. Oui. Puis on voit donc là qu'il y aurait comme une espèce de coïncidence avec l'état de la cité, l'état que les questions qui habitent la cité, en fait, l'état de ces questions-là à l'intérieur de la cité. Et il me semble que ça vient tout à fait à l'appui de votre thèse, je vais l'appeler comme ça, là, sur la manière par laquelle se déploient les dispositions politiques dans le partage des libertés, vous l'appelez positive et négative, je ne m'avance pas là-dessus, mais enfin, dans cette manière-là, justement, d'entrevoir les grands débats qui traversent la cité à ce moment-là. Ce qui m'apparaît extrêmement intéressant, en particulier pour le théâtre, c'est précisément un endroit où, entre autres choses, les rois peuvent se casser la gueule pour ça comme ça. C'est-à-dire que, évidemment, ils peuvent être habités malgré eux, justement, d'un destin fatal, tragique. Et ça me paraît en parfaite coïncidence, justement, avec la réflexion politique qui traverse la cité grecque. Et l'opprobre qui est entretenu par rapport, justement, à la tyrannie, par exemple, comme ça. Alors, c'est juste un commentaire, mais qui pointe vers une élaboration de votre part, si vous voulez, de la place donc, du théâtre à l'intérieur de la cité. Oui, c'est extrêmement important. Toute la tradition poétique, tragique et comique est extrêmement importante parce que, évidemment, c'est le reflet de cette culture. Et on voit une évolution très notable entre Eschyle, Sophocle et Euripide dans les thèmes. Par exemple, Christian Meier, que je citais tout à l'heure, dans Die Entstehung der Politik, il fait référence aux Euménides d'Eschyle, où justement la querelle et la vindicte tribale est stoppée devant les lois d'Athènes. C'est ça qui est mis en scène devant le peuple. Et on montre au peuple comment la vindicte personnelle doit être arrêtée au profit de l'instauration de la loi démocratique. C'est littéral dans la pièce. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, l'éloignement des dieux que l'on constate de plus en plus grand entre Sophocle et Euripide, qu'on a méprisé justement parce qu'on disait qu'il psychologisait les personnages, etc. Mais il y a quand même des choses dans Euripide qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le discours de Médée sur le statut de la femme était éblouissant. Hein? Que vaut une femme dans la cité grecque, prisonnière de son oikos, etc. C'est vraiment... tant et si bien que, est-ce qu'on ne sait, on n'arrive jamais à trancher si Euripide est un partisan des femmes, ou parce qu'il y a des remarques des deux côtés, finalement. Mais il y a quand même un dialogue nouveau, puis une discursivité offerte aux femmes qui n'existait pas auparavant. Et on sait qu'Euripide est proche des sophistes, de la tradition des sophistes, et il est proche de Périclès, et donc tout ça forme quand même un ensemble, si vous voulez. Donc ça, c'est très important. L'autre aspect, c'est la comédie. la comédie qui est tout aussi importante que la tragédie. Le seul malheur, c'est que la plupart des pièces comiques sont disparues, vous le savez. On ne les a plus, on n'a que Aristophane et des fragments de certaines autres pièces. Et puis il y a bien sûr ensuite Ménandre, mais la comédie est extraordinairement importante sur le plan politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des utopies politiques, si on pense aux oiseaux d'Aristophane, les nuées où il se moque des philosophes, etc. Donc oui, cette représentation par le théâtre est extrêmement importante. Et si vous voulez, dans mon champ d'intérêt et dans le champ d'intérêt que je poursuis dans cette chaire, pour moi, il y a deux items importants, si vous voulez, que j'essaie d'analyser sur le plan à la fois synchronique et diachronique. C'est la question de la poésie et de la poétique, notamment à partir d'Aristote, et puis la question du politique. Ce sont les deux axes qui m'intéressent, au premier chef. Donc, la tradition politique et ce qu'elle a rendu possible, et la tradition de la licence poétique, de la liberté poétique. Et là-dessus, les pièces tragiques ont beaucoup à nous apprendre. Et puis aussi Aristophane et la seconde comédie avec Ménandre et tout ça, qui va influencer Plaute et Terence, etc., dans le monde romain, puis le théâtre italien et français classique. Donc oui, je peux que abonder dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou à vos remarques, mais c'est effectivement un élément très très important de l'agone grecque. En fait, c'est à peu près le même passage qui m'a fait réagir par rapport à le fait que les Grecs ont inventé l'aptitude d'ouverture à la nouveauté. Par rapport plus à une éthos plutôt qu'à une période historique distincte. Oui. Puis ça m'a fait penser, en fait, moi je connais plus cette époque-là grecque à partir des travaux d'un historien, d'un sociologue des religions, pardon, Robert Bella, qui a travaillé à partir des travaux de Karl Jaspers sur l'âge axial. Oui. Puis quand on a mentionné, même avec Jean-François tantôt, le rapport à la chrétienté, bon, au monothéisme, à l'universalité. Il y avait quelque chose, quand vous avez mentionné la cité grecque antique, les polythéismes, donc il n'y avait pas d'orthodoxie en tant que telle, il n'y avait pas d'hérésie. Après ça, vous avez mentionné les innovations politiques, donc la possibilité de comparaison entre les différents peuples autonomes, les cités-États, et les sophoques, les penseurs libres, donc ces espèces de sages itinérants, qui sont mentionnés par Jaspers, entre autres, comme étant à la source de cet âge axial-là qui aurait permis l'émergence des grands monothéismes et des grandes synthèses universalistes. Oui. Mais vous semblez dire que ces innovations-là sont plus incrémentales à travers le temps, plus qu'il y a vraiment eu une scission, comme eux l'identifient plus comme vraiment une rupture là. À partir de ce moment-là grec, de ces philosophes libres qui, libres d'avoir seulement qu'une façon de penser dans leur cité, pouvaient comparer entre les différentes façons de faire et dire, bon, mais il y a peut-être une façon de faire meilleure en faisant des synthèses à partir des différentes façons de fonctionner. Donc, en même temps que de permettre peut-être ce principe d'égalité-là ou cette isonomie, comme vous disiez, l'ouverture à la nouveauté, en même temps que de permettre ça, cette ouverture à la nouveauté-là permet une refermeture sur la nouveauté à travers l'émergence des monothéismes. Je pense que c'est quasiment un faux débat que de demander lequel est venu un avant l'autre, quand un, pratiquement d'une certaine manière, permet l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être rejeter Jaspers, pour rejeter cette hypothèse-là, de dire que les Grecs ont peut-être permis l'ouverture à l'autre, mais aussi, inversement, permis le repli sur une visée du meilleur, du bon pour tous et pour tous. Moi, l'hypothèse, ou enfin le schème de travail de Jaspers, je le trouve intéressant, mais je suis ni pour ni contre. Et je suis ni pour ni contre parce que je trouve que c'est trop flou. Son truc là, du tournant axial. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, mais je dis que j'arrive pas à statuer là-dessus parce que finalement, ça met ensemble et en comparaison des choses par ailleurs si disparates que je ne sais pas où ça mène exactement. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est... etc. Par contre, chez Jaspers, j'ai retenu cette formule que j'ai citée dans le livre d'ailleurs, quand il dit que l'Occident ne se stabilise pas. Hein? Il dit l'Occident, la tradition occidentale, produit des universels, des universaux si vous voulez, elle produit des catégories transversales, etc., mais qui changent malgré tout, qui évoluent, et l'Occident n'arrive pas à se stabiliser. D'accord? Et ça c'est plus le tournant axial, c'est vraiment cette tradition issue des Grecs. Okay? Et puis, eh bien moi, c'est ça qui m'intéresse. Comprenez-vous? Cette non-stabilisation, je la trouve à Athènes. D'accord? Cette déclivité, cette, qui donnera cette articulation double fond dont je parlais tout à l'heure, elle est déjà là. Pourquoi? Dans l'opposition entre physis et nomos, dans la remise en cause de l'hétéronomie, c'est-à-dire la loi obtenue par l'altérité de l'autre, etc., c'est déjà là. Et c'est là que je vois la semence. Et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec Jaspers quand il dit ça. Et ça, c'est le premier point. Puis un autre point que Jaspers mentionne, que je partage tout à fait, c'est le fait de dire que il y a eu des traditions libertaires dans d'autres cultures, etc., mais il n'y a pas la réflexion politique qui va avec. Et ça, on la trouve en Grèce. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Ça ne répond peut-être pas à votre question, mais disons que pour ce qui est des... ce qui relèverait comme héritage grec de la fermeture, ben, il faudrait qu'on me dise quoi. Je ne l'exclus pas a priori, mais il faudrait qu'on me dise c'est quoi. Qu'est-ce qui aurait fait ça? Comprenez-vous? Est-ce que c'est le théâtre? Non. Est-ce que c'est la critique sociale? Non. Est-ce que c'est la comédie? Sûrement pas. Est-ce que c'est la rigidité platonicienne? Peut-être. Mais ça, comme ma femme me rappelle toujours, de dire, c'est qu'il y a grec et grec. Il y a grec et grec, et parmi les grecs, il y en a qui ne sont pas du tout des partisans de l'ouverture. Alors là, vraiment pas. Et là, il y avait un débat là-dessus. Donc on ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Il y avait un agone à ce sujet-là aussi. Bien, ben écoutez, je vous remercie énormément de...